Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Écoute, ça va très très bien et toi? Est-ce Ça que va le chat m'entend correctement? très très bien. Enfin, bienvenue sur Magic Arena FR. Pas vraiment, puisque bienvenue plutôt sur Magic tout court, chaîne officielle de Oui, Magic. sur la Merci chaîne beaucoup à eux officielle. pour l'invitation. Salut à tout le chat. Je fais confiance au chat pour expliquer à ceux qui ne parlent pas en français, du coup, qui se demanderaient, mais qu'est-ce qui se passe-t-il sur cette chaîne? Pourquoi les Français sont en train de streamer? Eh bien, parce qu'on a été invité et que ça fait plaisir. Voilà. Donc je fais Parce confiance au qu'on a chat pour été expliquer. la première chaîne monde pendant ce week-end. Peut-être pour ça aussi. Voilà, il faut le dire aux Américains. C'est vrai. Hormis la chaîne officielle, évidemment, qui Bien nous fait entendu. la grâce. French Takeover, exactement. Du Regarde si mon coup. micro est bon, parce qu'on dit qu'on m'entend pas très bien, comme à travers un home. Et donc du coup, c'est peut-être que mon micro est pas setup correctement. Je vais regarder ça. Ah, bien tenté, ma cante, mais je sais que toi tu es français. Alors normalement Non, ton c'est micro est bon. bon. J'ai augmenté son son. Vous pourriez faire l'effort de parler anglais du coup. Je crois que là, c'est les Français qui partiraient, Mizikaza. N'y aurait plus personne. Alors je Non, coupe ça. Je on coupe va rester ça. dans la langue de Molière, déjà pour vous et pour nous aussi, quoi. Ouais, ce sera plus simple et plus agréable pour tout le monde, quoi. Du coup, bienvenue à tout le monde. D'habitude, de lundi, c'est Rose-moi si tu peux. C'est ça, en gros, voilà. Waouh, ah, je fais profiter. Normalement, c'est le Rosmois, mais là, c'est un peu exceptionnel. On pensait réitérer le Rosmois sur la chaîne officielle et on a plusieurs choses qui nous en empêchent un petit peu. Du coup, on va faire comme un Rosmois, mais un petit peu plus détente, Ouais, à plus la cool. instructive. C'est ça, parce que là, pour ceux qui n'auraient pas suivi, du coup, il y a eu l'annonce de ban aujourd'hui qui a été annoncée depuis. Enfin, par rapport à la date prévue du 24 novembre, elle a eu lieu le 21 octobre aujourd'hui. Et il y a eu deux bans, enfin un seul ban pour le standard et un ban pour le popper. Et c'est la carte Chant des Morts qui a été bannie, que vous Ouais, connaissez tous inattendu, maintenant. son destin était déjà scellé. Ban attendu par la plupart des gens, mais on se demandait s'il allait y avoir un autre ban. Moi, je trouve qu'il était inattendu au vu de ce week-end, en fait, et Ouais. il a étonné beaucoup de gens. Ouais, mais dans l'article, ils disent justement que ils n'ont pas tenu Oui, compte ils des n'ont pas lancé en résultats tout cas. du Mythic Championship 5. Donc ça veut dire que ça a été c'est une décision prise du coup sans ça. Ouais, c'est ce qu'il dit. En gros, ils avaient scellé son destin avant et ils voulaient juste pas l'annoncer avant le tournoi, quoi. Voilà. Et puis Est-ce que tu pourrais me monter un petit peu, PL, par contre, ah, on est Val bien quand toujours même, quoi. faible. Oh, bien sûr, je monte Val, attention. Je lui demande quand même la permission avant. Ouais, bah t'as Enfin, le je droit, peux je te baisser laisse un sur petit peu mon micro, attendez. C'est peut-être ça le problème. Voilà, je pense que là on devrait être pas mal équilibré. ça. Donc du coup, ce soir, il y a des enjeux, vu que Field of the Dead est ban, eh bien ça va nous permettre déjà de débriefer un petit peu ce ban, d'expliquer ce qui va amener, c'est-à-dire que la méta du coup va s'adapter, changer, on va jouer de nouveaux decks. Et ben moi j'ai un petit deck dans ma poche, Pierre-Louis aussi, des decks qui peuvent vivre grâce à la disparition de Field of the Dead. Et on va tester ça déjà ce soir, essayer de faire un maximum de BO, prendre un maximum d'informations parce qu'on a le GP Lyon qui arrive et le Mythic Championship Qualifier Arena dans 5 jours. Et en plus on peut pas tester en ladder parce que le ban n'est effectif que le 24. Donc ça va être très difficile de se préparer pour le Mythic Championship Qualifier Arena. Donc Ouais. c'est bien de jouer contre des gens. Voilà, je vous encourage vous aussi si vous avez votre slot à vous entraîner contre des gens, contre des decks spécifiques. Exactement. Du coup, la Chant des Morts qui est banni, mais qui est encore jouable sur Arena jusqu'à la mise à jour du 24 octobre, ce jeudi, qui implémentera du coup le Brawl. Venez sur le jeu tester ce formidable format qui a l'air d'être le Brawl, en tout cas, parce que je n'ai pas encore testé moi-même, mais ça a l'air en tout cas très très cool. Donc à partir de la mise à jour, vous pourrez tester le Brawl pendant une semaine, avec des événements pour gagner des cartes, etc. Je crois que vous pouvez jouer en boutique aussi pour gagner des cosmétiques. Et au-delà de ça, bah, il y a des améliorations qui vont être apportées à Magic Arena, des améliorations qui ont été annoncées pour la stabilité, etc. du jeu, qui vont être mises en place très prochainement, je suppose dans le mois qui arrive, le mois et demi. Le ban du coup de Chant des Morts qui est effectif avec la mise à jour. Et un petit upgrade, chaque victoire du jour vous donne 25 XP sur les 10 premières victoires, je crois, ou les 15 premières victoires. Donc ça fait plaisir. Plus d'XP à gagner, ça veut dire que le pass de maîtrise sera bien plus facilement rempli. C'est Mais une bonne nouvelle. le plus important là, enfin ce qui va changer le plus de choses, c'est ce ban de Chant des Morts. Alors je l'ai vu, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas je l'ai vu sur plein de tweets, de Twitch, etc. Que Chant des Morts, du coup, enfin les wildcards vont être remboursés pour tous ceux qui possédaient la carte sur leur compte en avant,
avant la mise à jour du 24. Donc si vous la créez après, bon bah, c'est pas gratuit, hein, ça vous coûte des jokers, puisqu'elle est toujours jouable en historique. Et puis voilà. Effectivement. Alors du coup, on dit qu'on m'entend encore un peu de loin. Je crois que la technique ne nous permettra pas de faire bien mieux. J'en suis vraiment Est-ce que désolé. tu as le micro bien près de toi, Val? Ouais, là, je viens de le rapprocher au maximum. En plus, j'ai la voix qui porte. Normalement, j'ai pas besoin de l'avoir si près. Donc peut-être qu'on a, je sais pas, un Mais défaut, je une t'avoue défaillance que technique. je t'entends moins fort par rapport à d'habitude. Moins Donc là, je fort t'ai que là, monté à alors. Et max. pour... Mais ouais, c'est étonnant. Voilà, vous connaissez le petit réglage, hein, à chaque fois en début de stream. J'aurais perdu ma voix depuis ce Ah, les Mythic gens disent Championship ça va. incroyable. Non, c'est bon. Ça va? Ah bah ça fait Ok. plaisir, alors on est content. Et du coup, pour fêter un petit peu, entre guillemets, ce ban, ou en la mémoire de ce ban, on va rejouer la finale. On va commencer par ça. Ah, je voulais que je Parfait. baisse mon micro. Ouais, bien, je peux Du baisser un coup, peu mon micro. Hop là. tu vas jouer le rôle du gentil, je vais jouer le rôle du méchant. Ça va être très Exactement, je drôle. vais jouer le deck de Jean-Emmanuel Deprat, J-Rock de son pseudo. Bande Golos, j'ai peu joué le deck, je l'ai beaucoup vu par contre. Donc j'espère pouvoir m'en sortir. De toute façon, c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Là, on va juste s'affronter tranquillou pour un premier match de chauffe. Et Val, du coup, le monsieur en haut à droite, jouera Salut. le Gruul de Ravière Dominguez, le Gruul aggro avec les Amber Cleave, pardon, qui ont été dévastatrices dans cette finale. Quel match, hein, d'ailleurs, si on peut en parler quelques instants. Quel match formidable, un BO à 0 pour Ravière Dominguez. Jean-Emmanuel qui remonte un BO partout. Balle au centre. Balle au centre, une manche partout dans le dernier BO et ah là là, l'agressivité du Malheureusement, Gruul ils qui le ne sont peut être sortis à la stoppée. fin, quoi. Ouais, Il franchement, avait c'était incroyable. la capacité à Javier Dominguez à assez facilement enchaîner ses lands quand il a besoin de jouer une Questing Beast ou alors de trouver son tour 1 rapidement pour mettre une grosse pression à Golos. Il a eu pas mal de chance sur ce week-end-là, sur l'entièreté du week-end. Il en faut, ça fait partie aussi de ce monde-là, de passer un petit peu entre les mailles. Et félicitations pour la perf qu'il a fait avec son Gruul parce que je pense que de prime abord, même lui n'était pas forcément très confiant sur l'archétype. Mais voilà, on va voir ce soir si tu peux venger Jean-Emmanuel Deprat. Ah, je peux mettre le jeu en anglais, ouais, si vous voulez. Peut-être que ce sera plus agréable aussi pour les non-French speakers. Et puis. C'est à cause de Val qui a dit que Golos ne gagnerait pas le tournoi. Je m'en veux d'avoir fait ce call, malheureusement. Je ne me doutais pas que le seul Golos serait français. Ouais. Mais Pour bon. le et par rapport à qui joue quoi, c'est parce qu'en fait il manquait trop de cartes pour crafter le Gruul, malheureusement. Donc j'étais obligé de jouer ce deck-là. Mais en vrai, les deux decks sont jolis, donc ça fait plaisir. Par rapport à l'overlay également, pour voir les cartes, bah, comme elle est configurée pour notre chaîne et pas pour la chaîne Magic, bah, je ne peux pas vous l'afficher. C'est ça. Ça ne On n'a marchera pas pas. nos Voilà. bots, on n'a pas On n'a pas nos nos bots. sponsors, on n'a pas nos. Voilà, on On n'a n'a pas nos rien, on est sur la chaîne. modérateurs. Si le modérateur, ils sont pas modérateurs, mais ils peuvent venir dire hey, calmez-vous. Oui, voilà. Donc non, Et voilà, il y a un merci beaucoup à modérateur de Sigriff. la chaîne officielle. Merci beaucoup à Sigriff, du coup, pour les petits messages pop dans le chat. Ça fait très plaisir. Et merci également aux modérateurs de la chaîne officielle qui sont là. Je les ai vus autoriser des messages, etc. Donc, Merci beaucoup, allez, merci à Lancelot toi. est là. Salut, Lancelot. Donc, merci beaucoup. Bon, pas grand-chose à dire sur cette decklist si vous avez suivi le Mythic Championship 5. Hein, le but, c'est, comme on le connaît, hop là, il y a 1 million de lands différents, de faire Field of the Dead le plus rapidement possible et de dépasser totalement l'adversaire en value en créant beaucoup trop de tokens de 2 qu'il ne puisse gérer et puis qu'il puisse également bloquer. On va le chercher avec Golos, on va ramper avec Circuitous Route, Grosse Spirale, Arboreal Grazer qui tient bien les aggros en début de partie, même si bon, toutes les bêtes étaient 3-3 quasiment dans le deck de Ravière Dominguez, donc pour le coup Arboreal Grazer ne tempo qu'un tour. Et puis voilà, ensuite le reste du pack c'est Once Upon a Time pour lisser les sorties. Teferi pour tempo encore une fois, et avoir une solution contre artefacts et créatures et enchantements, si besoin s'en fait sentir. 4 Vras, contrairement à 3 Vras dans la plupart des decks, donc Jean-Emmanuel Deprat, il savait qu'il pouvait se prendre des decks aggro, donc il l'a très bien senti. 2 agents de tricherie main deck qui sont la clé du match-up, un Beanstalk Giant pour aller chercher le petit land, et se fixer encore un peu plus, ou s'accélérer encore un peu plus, et 3 Hydroid Krasis, pardon. Qui permettent bah, souvent de clore les. Les agents de traîtrise sont justement pas trop la clé du match-up, ils sont décidés malheureusement parce que la carte est un petit peu trop chère.
trop peu effective contre Gruul pour le coup. C'est Exact. plutôt une carte qui est très bien contre Bant et dans le miroir. Enfin, Bant et Simic hein, en général. Voilà, et puis du coup la decklist de Gruul que je n'ai pas, je crois. Non, mais je pense que les gens, s'ils ont suivi un petit peu tout ce qui se passe depuis quelques jours et puis sur ce Mythic Championship, ils se doutent un petit peu de à quoi ressemble la decklist Gruul. Hein. C'est une Oui. decklist très très agressive qui veut curver, faire un tour 1, un tour 2, un tour 3, bourrer très très vite, se relever d'une vrasse après derrière avec une Questing Beast et essayer de mettre un maximum de points, bah, notamment avec des cartes comme Umbercleave ou alors Collision Colossus, histoire d'aller beaucoup plus vite en fait que ce que peut faire Golos. Et il y a une espèce de point de non-retour quand vous jouez Gruul, c'est-à-dire que si vous n'avez pas tué votre adversaire assez rapidement, et à un moment vous allez tout simplement perdre parce que vous ne passerez plus jamais vos points, quoi. Mais on a des espèces de bonnes grosses cartes qui peuvent passer au-dessus des tokens, que ce soit les Questing Beasts, les Scargan et le Kite. Donc voilà, c'est quand même un deck de sortie, il faut piocher un petit peu correctement, il faut trouver ses terrains quand on a les bonnes cartes, il faut trouver les bonnes cartes quand on a les terrains. Il y a que 4 drop 1 dans le deck, donc on n'est pas non plus sur une agression de type mono rouge, mais voilà, la decklist a plutôt bien réussi dans les mains de Javier Dominguez. C'est bien étudié pour battre Golos, et puis on va tester ça là. Du coup, on refait la petite finale avant de partir sur le nouveau standard. Exactement, et il y a un deck que j'ai très très envie de tester pour le nouveau standard, du coup ce serait Esper Control. Je l'avais un petit peu testé et à part Golos, bah, il s'en sortait bien dans le match-up, dans la méta. Et effectivement Golos était trop présent pour pouvoir vraiment le considérer, sauf que maintenant il n'y a plus Golos. Donc je pense qu'Esper Control peut être un deck vraiment très impactant dans la méta s'il s'en sort bien contre Oko. Parce que Ouais, maintenant en c'est tout ça cas, il aura le le... mérite d'être vraiment testé pour le coup. C'est-à-dire, Ouais. ça va être un candidat sérieux, même si au final il se fait pas une place, on va le respecter. Voilà. Ouais, et pour les voilà tout ce qu'il y a d'habitude sur notre chaîne, je réponds à Human Bird, tout ce qui est annonce, bot, etc. Ben, ce n'est pas actif puisqu'on n'est pas actuellement sur notre chaîne. On est sur la chaîne Magic officielle, ce n'est pas un host. On live directement sur la chaîne. Voilà. Et eh ben écoutez, on va partir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es en J'ai lancé, challenge j'attends. match? Ah bah ben là, je mets en best of 3 Attends, pardon, qualifying il faut cup. que je lance en BO3 par contre, Ah. j'ai pas lancé. Et merci beaucoup. Du coup, il y a quand même eu un don. Je sais pas s'il s'affiche. Il fallait le Donc tuer, merci la énormément. pauvre bête avait la Merci rage. beaucoup. Ah si, les dons marchent, je crois. Je sais pas. Enfin bref, si vous avez vu l'annonce, merci beaucoup à Samir. Sinon, bah, sachez qu'il y a eu un don et ça fait plaisir. Tac. Et c'est parti. Du coup, Tu as relancé? l'enjeu du match-up, c'est moi de trouver mes cartes d'agression le plus rapidement possible. Et Pierre-Louis, c'est de trouver ses cartes d'early game. Alors, pour la Parfait. une, je suis adapté à Golos, alors que Golos n'est pas adapté à moi. Donc, c'est-à-dire qu'avant le side, Gruul est quand même largement favori. Après, tout l'enjeu du match-up et les clés du match-up, c'est que Pierre-Louis trouve les cartes qui sont dédiées à Gruul après la phase de side. Exact. Et tu commences, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour moi. Non, il n'y a pas de vote ce soir, Drakhanj. C'est vraiment du Rossmoi amical. Il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. Ce soir, on est sur la chaîne officielle. Donc, on n'a pas nos sponsors, pas nos bots, on n'a pas nos tirages au sort. C'est pas possible. Ah, peut-être qu'effectivement, ceux qui ne follow pas ne peuvent pas parler. Je ne sais pas s'il y a une limitation. Ouais. Oui, il faut 10 minutes après avoir Ok, follow pour parler. ça va, Mais je on est pense là que tous pour les gens. jusqu'à 23h, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez faire un petit follow et vous pourrez parler dans la soirée. Petit Once Upon a Time. Carte qu'on a beaucoup vu jouer, hein, qui a permis des sorties dingues, hein, pendant ce week-end. Ouais, très très bonne Alors carte. pardonnez Moi, mes erreurs. j'attendais personnellement un ban de Once Upon a Time, mais j'ai vu sur les réseaux et les différents Discords que c'était aussi le ban qui était attendu avec les résultats du MC5. Et ils ont bien précisé que le ban n'a pas pris en compte les résultats du MC5. C'est pour ça que c'est Field of the Dead qui a été banni. Mais c'est vrai que ce Once Upon a Time, il n'est pas passé loin. Hein. Ouais. Et par contre, j'ai vu quelque chose. Alors, le chat pourrait me confirmer si je me suis pas trompé, mais je crois que y a l'annonce de ban qui était à la base prévue pour le 24 novembre est maintenue. Donc, en fait, elle n'a pas vraiment été déplacée. Il y a juste eu une annonce de ban supplémentaire. Donc, ça veut dire qu'il y Ouais, aura c'est peut-être l'annonce de base. un nouveau ban en novembre, donc le 24, fin novembre, qui peut-être changera quelque chose en standard suivant les résultats, je sais pas, ou dans les autres formats. Voilà. Ah, je vois tout le monde qui arrive. Je pense que c'est ceux qui ont dû se follow petit à petit qui peuvent mettre des messages. Alors, pardonnez mes choix. Oh, il y a déjà une 3-3 en face, hein, c'est bien ça.
potentiellement Une bonne mes bête. erreurs de land, de séquençage, etc. Je connais le pack de vue, mais pas Ouais. Si t'as jamais de joué jeu. Golos, on te pardonnera toutes tes erreurs, t'inquiète pas. Ah non, c'est le 18 novembre, pardon, pas le 24. Donc il y a quand même bien une nouvelle annonce. Bonjour vous, le Zurta Gobelin. Obligé de les mettre 3-3 pour passer l'épaisseur arboricole, c'est un petit peu le play ici. C'est-à-dire que la présence d'épaisseur dans le deck ralentit un tout petit peu la sortie. C'est pas dramatique, mais c'est à prendre en compte. Sur les early sur ta gobelin, ceux qui sont pas létaux en top deck, par exemple, bah on les met pas en célérité pour passer ces fameux épaisseurs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ravière, hein. Toujours tendu hein, de savoir quel land on pose. Hein. Le mauvais. Et je vais essayer de pas poser le mauvais, ouais. Le mauvais en premier. J'essaye de suivre le chat, mais c'est un petit peu dur, quoi. Ouais, faites attention aussi dans le chat à pas me donner d'informations. J'ai accès au chat, donc le but, ce serait quand même qu'on soit à armes égales et que vous ne me spoiliez pas la main de Pierre-Louis. Tu vois, notamment Lancelot, tu m'as bien spoilé là sans le vouloir, je pense. Fais attention. Fais attention. Ça ne te ressemble pas, Lancelot. Depuis que t'es plus modérateur, t'as changé, hein, quand même. À pas se mentir. Dans ce loquet, j'ai chant. Ok. Puis elle a des cartes en main. C'est L'erreur de mieux. Lancelot. Ah bah Teferi, dramatique. on l'a très peu vu jouer par Jean-Emmanuel Duprat, et là je t'avoue que l'avoir dans la main, je me demandais un peu qu'est-ce que j'allais en faire. En fait, il les décidait souvent, donc tu pouvais l'avoir qu'à Ouais, la première game, quoi. c'est sûr. Je vais essayer ce qu'il a de te lire. 3 points dans ma trogne, 5 points dans ma tête, le classique. Passe à 11 ici. Non, c'est la passe à 10, hein. Ah pardon. Enfin, une petite phrase géant. C'est très Voilà, intéressant de regarde. pouvoir la passer sur trois créatures déjà, et quand il n'y a pas de géant rouge en face. Bah, surtout à ce tour-ci, c'est bien C'est la d'avoir. seule bête qui survit à la Wrasse. Donc c'est toujours bien de pouvoir la gérer. C'est le joueur espagnol qui a gagné RAN slash AN. Ok, donc t'as fetché les deux portes, hein, celle qui donne le noir et le rouge pour un futur Golos par exemple. Ok, et il est facile ce jeu en fait. Il a l'air bien, hein. Profitez-en. Dans 4 jours, il n'y en aura plus. C'est Jean-Claude Van Damme qui disait ça. Cry en Murkleave, hein. La bonne carte. J'aurais peut-être dû donner un zombie en plus là du coup. Passe à deux. C'est pas beaucoup deux. Tu passes pas à 2, tu passes à 6. Passe à 6, pardon, et je prends 2, excusez-moi. J'inverse. Je veux bien que tu passes à 2, hein. Putain, c'est dur hein, quand il y a Deux bonnes cartes sur le board. deux bonnes cartes sur le board et deux cartes en main aussi. Parce que là, sur land Gruul Spellbreaker, tu me fais Gruul Spellbreaker, je mets l'Ambercleave et c'est chaud.
Je crois que je meurs pas si je fais ça. Oh, c'est une belle crasie ça. C'est une Krasis qui prend pas de Colossus. Enfin, collision du coup. Ouais, elle a un de trop. Ah, j'ai vu que t'avais dit une bêtise, Fred Joke, et éviter de dire des bêtises en anglais parce que l'ironie n'est pas forcément comprise dans vos messages. Ouais. Oh, j'y mets tout là. Ah bah mets tout, hein. N'hésite pas. Ça sert à rien que j'essaie de protéger des 2-2, je crois. Non, c'est pas possible, là, le giveaway exceptionnellement. Ouais. Mais ça reviendra à partir de lundi prochain dans l'Euros-moi, comme d'habitude. Je réfléchis, attends. On a 11 points bloquants et 7 points de vie, donc là il faudrait qu'il nous mette 18 pour nous tuer. Ça m'a l'air bien, m'engager. Veulent goûter à sa propre médecine. Je maîtrise pas les subtilités de Ils sont Humbercleave, mais durs à jouer ces packs, hein. je maîtrise pas là. Pour moi, normalement, je trade ton. Ok. Normalement, là, je trade tout ton board. Est-ce que je pouvais faire mieux? Tu m'as mis 2. Ouais, C'est j'ai ça? tradé ton board et je t'ai mis 3. Ah, tu m'as mis 3. Non, tu m'as mis. Non, tu m'as mis 3, ouais. Je sais Et je pouvais pas. pas faire mieux? Non, je pense que c'était dur de faire mieux. Ouais, je sais pas trop. Non, tu m'as mis 1. J'étais à 7, tu m'as mis 1. Ah, Je je crois t'ai que mis 1, tu pouvais ok. pas mieux faire, non? Ok. Enfin, c'était ça. Là, pour mettre plus de dégâts, tu faisais double géant face, quoi. À part Oui, ça, mais je vois je pas trop. perdais. Toi, tu gardais ton board. Ouais. Ouais, Alors c'est là, on peut marrant. faire des trucs sympathiques. Je crois que le mieux. Mais c'est de faire ça. Ça. Et voilà. On fait un truc Une belle simple. armée. Et là, Quel ressource va l'espagnol? on en met plein là, des tokens. Ouais, JE, après nous on passe c'est en pour vol. toi. Ouais, il va falloir que tu passes maintenant en vol, quoi. Ouais, ça a l'air complexe, hein. Y a du dégât qui arrive. Franchement, t'as eu la bonne sortie, hein, pour temporiser. Ouais. Trouve déjà des excuses, vol. Attention. Non, non, c'est pas Là. des excuses, c'est tant mieux. Le match-up s'est bien passé pour toi, quoi. On te demande de parler en espagnol à la vitesse Dominguez. Et non, c'est impossible, il a le record du monde. Et ça va ressembler à blablabla. Donc ça va être très compliqué. Franchement, je vois pas trop quoi faire. Je pense que j'ai perdu. Hein. On est au point de non-retour que j'expliquais en fait quand on parlait du deck. Où là, j'ai plus aucun moyen de te mettre les derniers points, quoi. Il suffit que t'aies une Krasis ici et ça sera la concession. Donc ça sera pas possible quoi. Parce que je suis malheureusement perdant ici quoi. Je crois que t'es mort là. Ouais, je prends 18, je prends 21. Mais si tu bloques Golos, tu prends 20 tout pile. GG, passons à la 2. Où est la cravate? Yes. Ah, la cravate est rangée. Ce sera la prochaine fois qu'il y a un Français en top 8. M'aurait fallu un truc comme Collision Colossus pour mettre plus de points ou trouver bête de quête. Pour être plus agressif, quoi. Par contre, je crois que Javier Dominguez a rien à sider dans le match-up. Ah peut-être, on l'a jamais vu ça aider, donc c'est vrai que c'est dur à Non, dire. bah, là, quand je vois son main deck, à part le Ceratops, donc il y a un Ceratops changeant qui est rentré pour un potentiel d'agression supérieur, il me semble qu'il n'a rien à sider, qu'il est main deck adapté à Golos. Ouais. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs.
Ok, bon, c'est assez simple à décider puisque j'ai vu Jean-Emmanuel Duprat le faire pas mal de fois. Ouais. T'as enlevé ton Arbo Algrazer sur le play? Sur le play. T'es pas obligé de me le dire. C'est. Non, sur la draw. Ah, sur la draw, pardon, il faut que tu le laisses Sur sur la la draw et que draw. tu l'enlèves. Ah non, je l'ai enlevé sur la draw. Non, faut le laisser sur la draw. Ah, je trouvais que T'as le besoin côté de accélérant était renforcer. plus important quand tu commençais. Enfin, quand je commençais. Alors, on va garder cette main. Ça, c'est le genre de main que JE aurait mulligan, mais bon, je ne suis pas JE. Tu as de bien grosses valises sous les yeux. Bah, on a J'essaye, streamé mais 30 heures quand on même. l'a streamé beaucoup, je suis complètement décalé. Et il faut savoir que j'ai des cernes depuis que j'ai 7 ans, donc de toute façon c'est très dur pour moi de combattre ça. À une manche de son premier MC, incroyable, hein? Alors cette main, qu'est-ce qu'elle raconte? Allez, je vais dire que t'as pas le pelt. Ah, on va aller chercher ce pelt. Pelle le hibou. Forêt. Ah, il a le pelt. Mais ça, c'est les bons Il a le joueurs. pelt. Bah c'est la bonne sortie quoi. Ils ont les pelt collector. Bah Et oui. pas collector. Quand tu sors d'un Collector. phase, hein. Collector. Mentor. Paradise Grid, la bonne sortie. Là, si je voyais ta main, je pense que je pourrais comprendre un peu ce qui va m'arriver. Normal, Prométhée, à la Ravière, comme tu dis sur le chat. Sortie classique, hein. Sortie espagnole, on appelle dans le jargon. C'est une sortie, ma foi, une sortie d'un lundi, en fait. Les sorties du lundi. Ah, le Zurta qui arrive 3-3, qui permet de mettre la pression avec le pelt. Montagne, ok. Voilà, si je bloque 3 points, prochain tour je prends 8. Alors que là, si je bloque 3 points et encore 2 points, je prends 9. Donc vaut mieux bloquer maintenant. J'économise un point de vie. Et Dieu sait que les points de Yes. vie, c'est important. Très important le point de vue. Hein. Un petit land bleu, ça fait pas de mal. Ouais. Petite accélération, toujours bon à prendre aussi. Il joue peu de Guildgate, hein, ce pack en vrai. Ouais, t'as juste besoin de trouver celle que tu veux et après tu prends tes basiques en fait. Ouais. Il Sinon, joue c'est pas des mal de mauvaises basiques cartes par pour aller contre. chez Guildgate. Oui, c'est vrai, ça ne trigger que sur Plaza de l'harmonie, place de l'harmonie, je crois, en français. Ça m'étonne pas plus que ça pour le coup. J-Rock a fait finaliste et du coup il est vice-gagnant, on peut dire. C'est un peu ça, hein. Et par contre, très cool, il est. Ah, salut! Il est qualifié, JE, pour les Worlds. Et ça, c'est très, 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 très bien. Ouais, comme Javier Dominguez est champion du monde en titre, il était d'office qualifié pour les Worlds. Du coup, le slot de la deuxième place était qualificatif. Et donc, c'est une nouvelle incroyable pour lui, en fait. Ça y est, ça commence à être relou. Ah, ils sont là, eux. N'empêche, zombie en costard, hein, je le répète encore, mais Je il y crois a que j'ai vraiment un mal joué. délire, J'aurais Michael Jackson. dû garder ma. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas deux forêts, quoi. J'arrive pas à enchaîner deux forêts. Et en fait. Je me suis dit, il faut pas que je joue ma bête de quête, comme ça il est quand même obligé de brasser mon board et je pourrais bête de quête derrière. Le problème c'est que je pouvais bête de quête qu'avec ma druidesse qui allait être brassée. Donc je me suis dit, en fait, mon plan de jeu maintenant, vu que j'ai pas de quoi payer ma bête de quête, c'est quand même de la poser et de mettre un max de points. Et non, en fait, je peux pas sortir comme Ravière, il faut forcément que je sois décurvé quelque part ou qu'il y ait un truc qui se passe mal, tu vois. Ouais, mais c'est l'impression que j'en ai eu en tout cas du Gruul, c'est de voir qu'en fait il était pas. Il se curvait pas comme un deck d'habitude. On avait vraiment l'impression qu'il était pas naturel en fait le deck dans la Ah ben, construction. Je dans sais les pas si mains tu de vois ce que je veux Ravière, il dire. était très très naturel, hein. Il lui fallait une forêt, il l'a pioché. Ouais, mais même avec ça, tu vois, genre dans un deck aussi aggro, faire des tours de Paradise Druid, c'était très bien, mais tu vois, ça fait bizarre, je trouve, dans la construction qu'on avait Bah, l'habitude de voir. c'est juste parce que la carte clé, c'est bête de quête et que tu la veux tour Tu veux 3. tour 3, bien sûr.
Mais là, le problème du double vert, ça fait que cette game, au lieu de la gagner, je la perds en fait. Parce que là, si je garde bête de 4 dans la main, que j'ai une deuxième forêt, que je rejoue bête de 4 dans ce spot, bah j'ai gagné parce que t'es à 1 en fait. Donc, c'est un peu décevant ces spots là, quoi. Ouais. Ah! Mais bon, enfin, pour le coup, moi j'aime pas trop Grul pour. Escargant. Donc peut-être que je joue pas aussi à sa juste valeur, j'imagine. Bien joué. Bien joué. Eh ben il est facile ce pack. Pourquoi t'as perdu, J.E.? Bah parce que je devais jouer moins bien que Ravière et piocher moins bien aussi. Non mais sur quelques games c'est pas assez démonstratif. Oui. Mais écoutez, si vous voulez revoir ce match-up, on pourra en refaire tout à l'heure. Mais maintenant place au nouveau standard. Là yes, c'était un petit peu la game de chauffe. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce nouveau standard? Pourquoi est-ce qu'on va jouer tel ou tel deck? En gros, l'analyse du moment, c'est que Field of the Dead est banni. Avec Field of the Dead qui est banni, le nouveau deck to beat, le tier 1 du format, c'est Okodeck, donc la version Simic ou la version Bante de Mengucci. À savoir que maintenant que Oko est le meilleur deck, on va plus essayer de battre Field of the Dead, mais Oko. Et en fait, quoi de mieux pour battre Oko en 4 jours, 5 jours, parce qu'il y a le Mythic Championship Qualifier, week-end, que bah, de jouer un deck Oko vous-même aussi. Et comment battre Oko dans le miroir? Et ben là où on pouvait pas jouer Sultai et de noir pour essayer de battre les decks Champ des Morts parce que c'était faible. Tu pourrais m'envoyer ta decklist bien sûr. Sur le moyen de communication habituel. Ouais, comme ça tu la montres? Comme ça, ouais, je peux l'afficher. Alors, hop là. Tu préfères Discord ou pas? Non. Et donc du coup, voilà, on n'a plus Field of the Dead à prendre en compte, mais on a Oko à prendre en compte. On a vu que Oko tour 2 résolu dans les miroirs, c'était dévastateur. Et la version Sultai, elle se prémunit de ça très facilement parce qu'elle a des Murderous Rider et parce qu'elle a des Noxious Grasp. Donc là, la plus grosse idée de départ du nouveau format, c'est de builder Sultai Oko qui serait capable du coup de battre Oko dans le miroir, notamment parce qu'il répond très bien à Oko tour 2, que ce soit sur le play ou sur la draw. C'est les débuts, c'est les prémices. Donc en gros, on prend la decklist de référence de Andra Mengucci en version Bante, et on remplace slot par slot le blanc par du noir, et ça sera le point de départ des réflexions pour trouver la meilleure decklist en 5 jours. Voilà un petit peu l'idée de cette decklist-là. Il est d'accord. Mais pourquoi en 5 jours? Je ne sais pas si tu l'as dit. Mythic Championship Qualifier Weekend, et malheureusement, en plus, on ne peut pas tester sur le ladder, parce que le ladder, lui, continue à pulluler de decks golos. Je vais pouvoir tester vendredi. Ouais, mais ça c'est très court, tu joues le qualifier le lendemain quoi. Enfin, tester en ladder vendredi. Enfin, même dans tous les cas, 5 jours pour trouver un deck qui bat Oko, c'est quand même trop juste, il vaut mieux jouer un deck Oko. C'est un petit peu le raisonnement pour l'instant de tout le monde. Et moi, mon raisonnement, c'est de tenter la version Sultai. Je te l'ai du coup envoyé. Tu l'as envoyé en quelle langue? En français, je crois. Normalement, je te l'ai envoyé en français, ouais. Alors, il faut que je switch la langue. Tu envoies encore Val du Golos sur ladder? Bah, tout à l'heure, j'ai voulu tester Sultai et je suis tombé contre un Golos et c'était juste pas du tout pertinent, quoi. Donc, ouais. Ah, il y a les gens là qui vont tester le deck. Qui vont rentrer dans le top 1000 avec leur Golos en profitant des mecs qui testent pour d'autres enjeux. Voilà, exactement. Hop, alors il est où le Sultai? C'est lequel? Sultai Oko? Sultai Oko, ouais. Hop là. Donc, je te laisse. T'as déjà fait une belle présentation, mais voilà. Il y a 2-3 autres enjeux qui rentrent un petit peu en compte. Le fait qu'on joue du noir, ça nous permet de tester la carte qui est Vraska. Vraska, elle a plein d'utilité, c'est-à-dire que quand vous êtes sur le play, elle tue Oko. En répondant à Oko tour 3, vous tour 4, vous faites Vraska, vous pouvez tuer Oko. On a vu aussi au Mythic Championship 5 que les Mirrors de Food, c'était souvent des board stall avec des Planeswalkers qui tournaient. Dans ce spot-là, bah, Vraska, elle fait gagner. Si vous laissez Vraska tourner, vous allez gagner, c'est automatique. C'est un outil de grind tout seul, en fait. Donc... tu peux s'inquiéter food pour piocher. Enfin, elle est très synergique avec ce deck-là. Donc, on a quand même envie de la tester, de lui faire une place. Vu que grind des golos n'était pas possible. Maintenant, par contre, on va repartir sur des miroirs de grind. Et du coup, Vraska est très pertinente. On a quand même les versions de Mengucci jouer 2 accélérations à 2 et 2 Once Upon a Time. Moi, je suis plutôt partisan de 1 accélération à 2 mana et 3 Once Upon a Time. Et pourquoi Incubation Druid à la place de Lifting Druid? Parce qu'Incubation Druid donne facilement le mana coloré noir, qui pourrait être un petit peu compliqué à assembler pour le Murderous Rider. Exact.
Voilà. Par rapport aux les questions, j'en ai pu voir quelques-unes sur notre deck du GP Lyon. Et bien justement, avec cette annonce, on teste autre chose. Moi, j'avais déjà commencé à réfléchir à une decklist au cas où Field of the Dead ban, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est Esper Control. Et là, justement, je vais la jouer. Donc là, c'est le deck que Val va jouer, qui n'est pas adapté pour jouer contre moi, mais qui est adapté surtout pour. Si, si, ça prend aussi en compte Esper dans la, Ah, tu surtout prends quand en tu compte regardes. dans le side? Ouais, bien sûr, Ah, bien sûr. ok. Bah, en fait, pour moi, il y a deux gros decks qui vont apparaître. C'est les Oko decks, qu'importe la version, et c'est le retour des Esper, Stax ou Control. Donc pour le coup, on prend aussi en compte, on a des Garruk en side, on a des Dizon Full Stroke, parce que en vrai, pour battre Esper, tu as le même plan de jeu contre Golos, c'est-à-dire la pression avec bête de quête et les bottes dédaigneuses pour contrer les Vraas. Donc pour le coup, c'est un petit peu le même plan de jeu et on le garde quand même un petit peu, quoi. Exact. Hop là, on applique les steals quand même. Et Esper Control, la version du coup que j'ai pas pu travailler puisque bah, on peut pas travailler une version sans Golos alors qu'il y a encore Golos. Enfin, en tout cas pas en ladder. Donc je vous la présente telle quelle. En tout cas, j'en étais déjà bien satisfait. Un Elder Spell Main Deck qui est une condition de victoire. Et puis de toute façon, vu que tous les Planeswalkers qui se baladent, c'est assez important d'avoir une réponse Main Deck aussi forte. Pourquoi s'en priver? Quand en plus vous pouvez la jouer sur vous-même, c'est toujours bien. Legends End, bah, du coup, qui a beaucoup moins d'impact, beaucoup moins d'intérêt maintenant. Mais ça cible les oies, ça cible les accélérateurs à deux, ça cible les Krasis, qui sont quand même pullulants. Ça cible les Landes de Nissa, donc ça reste quand même quelque chose de viable. Peut-être qu'il y en aura un qui sera des sides. Un Dispark, parce que c'était une des façons de jouer une des plus grosses menaces contre le deck, qui est Bête de Quête. 4 effacements dépensés, 4 Ironscorn classico, 3 Murderous Rider, c'est la seule carte qui est nouvelle dans ce pack qui amène de la gestion et en même temps de la tempo contre les decks aggro. Une 2-3 lifelink, ça permet quand même de temporiser techniquement 5 points de vie. La Narset qui va tout chercher dans ce pack sauf le Murderous Rider et les Basilica Bellhunt. Teferi qui va sûrement être un petit peu réduit puisque maintenant on a vu que dans la méta en tout cas il y avait moins besoin de Teferi. Après, il était surtout inefficace contre Golos, donc peut-être qu'en avoir maintenant 4 main decks, ce sera très important. 2 Mortify, 2 Oath of Kaya. Ça dépend du nombre d'aggro ou du nombre de Jeskai Fire que vous rencontrez. 2 Mortify, bah, ça gère tout, et Jeskai Fire, enfin le Fire of Invention. 2 Oath of Kaya, ça gère un peu tout, enfin tout ce qui a 3 points de vie au moins, et ça permet d'être très ressourceux contre les decks aggro. Basilica Bellhunt à la place de la 2-3. Elingard Mage parce que ça peut bloquer Bête de Quête, ça bloque les Landes de Nissa, donc c'est mieux. Ça match les tokens d'Oko aussi. Kaya's Wrath, bon, pas besoin d'en parler. Command the Dreadhorde qui permet de faire gagner plein de parties. Quand vous passez un effacement dépensé tour 2, un Mortify tour 3, une Wrath tour 4, après vous faites Command the Dreadhorde tour 6, vous avez largement de quoi gagner avec. Une Lilianna et un Ugin, condition de victoire, surtout Lilianna, et une Bola Citadelle. Je suis pas extrêmement fan, mais la seule fois où je l'ai joué, elle m'a mis dans une position de, vraiment, j'étais très devant. Donc, je me dis que même si je ne l'ai pas beaucoup vue, la seule fois où je l'ai vue, elle a porté ses fruits. Donc, je lui laisse encore le J'aime pas bénéfice du trop, doute. ça se prend au co, hein, bon, la citadelle, c'est pas fifou quand même. Ça se prend au co, mais comme je te dis, des petits tests que j'ai faits, ça me chagrinerait de la cutter, alors que la seule fois où je l'ai joué, bah, j'étais content, tu vois. Après, Ouais, c'est un peu est-ce que result tu. oriented. Mais c'est vrai que ça t'apporte des ressources et c'est pas un deck qui pioche énormément non plus, tu vois, si t'as pas l'Arcet. Ouais, moi j'aimais bien la Citadelle dans les match-ups un peu grindy où tu prends pas trop de PV, mais si là c'est que la fille de bête de quête, d'agression, de Planeswalker qui mettent des points, je suis pas trop fan, t'auras peut-être pas assez de PV pour jouer Bolas, Peut-être Citadelle. que. Et si t'es toujours à 25 terrains aussi, rentre un Castle Ventress pour être à Alors, on va 26 voir. À combien avec ton j'étais? Non, je île. suis à 26 terrains. Ah, et je pense qu'il faut un Castle Ventress Alors dans moi ce je l'ai deck. cuté et je vais pas le rentrer parce que ça m'est arrivé malheureusement trop souvent d'être bloqué à cause de mes sources de bleu. Donc pour l'instant je garde comme ça ma seule île parce que en fait j'ai le choix entre soit Castle Ventress soit une île pour pouvoir aller la chercher sur Fablé de Passage. Donc je garde l'île. Mais deux sources de bleu, genre peut-être que j'ai pas eu de chance, ça met sur le peu de game que j'ai fait. Il y a plusieurs fois où ça m'a empêché de faire un Basilica Bellhunt ou une Wrath. Et il y a des matchups, c'est vraiment crucial. Donc peut-être qu'avec la méta différente, je pourrais me permettre, mais à l'heure actuelle, je peux pas. Ouais. C'est Et je dommage de pense se passer que de cette carte. c'est sûr, mais bon. Là, franchement, je te dis, un petit peu de CA de temps en temps, comparé à Interdiction, je vais une Wrath et perdre dans d'autres games.
Ouais, c'est sûr. L'upside, en fait, le bon côté n'est pas assez, assez intéressant. Par contre, effectivement, j'avais oublié le côté très agressif des decks qui empêchent de trop jouer de spells sur Bola Citadel, donc je vais peut-être en cutter une. Et je vais rentrer un Murderous Rider. En fait, je pense que tu as raison pour Castle Ventress. Si la méta est très haut codec, t'en as sûrement pas besoin et tu veux absolument pouvoir placer Kaya's Wrath au tour 4. Par contre, s'il y a beaucoup de miroirs d'Esper, tu vas vraiment le sentir de pas avoir ton Castle. C'est ça le. Faudra définir le méta, quoi. Mais bon, c'est vrai que là pour l'instant, le méta est pas défini, on s'en cague un peu, quoi. Exact. Et le side, assez classique, 2 Duress, 3 Noxious Grasp, 2 Elder Spell, 1 Dispark, 1 Cri du Carnarium. Le Ashok, du coup, que je peux sortir maintenant, puisqu'il est bien inutile. Je peux rentrer peut-être un autre Dispark, c'est très bien contre Bête de Quête. Quoique les matchups qui jouent Bête de Quête, j'ai pas beaucoup de cibles non plus. Donc, C'est pas mal contre Lou aussi, hein. ah, il y a Lou, ouais, effectivement. J'hésitais Ouais, entre c'est pas mal soit un du tout deuxième contre lui. Dispark, soit une troisième Duress. Le Cri du Carnarium, qui sera Du reste, augmenté en ça prend side. pas grand-chose, le départ, quoi. Ce Cri du Carnarium, j'en mettrai plus dans le side, voire même la quatrième Wrath, si jamais il y a vraiment beaucoup de decks aggro qui apparaissent, mais là pour l'instant, pas encore. De Thief of Sanity, c'était également contre Golos, mais j'aime tellement la carte et je trouve que c'est tellement fort dans certains match-up que. Un match-up qu'on retrouve pas encore actuellement, mais que ça peut quand même être worse. Donc vu que j'aurais du mal à savoir quoi rentrer d'autre, je vais les laisser. De Unmordigo, ça reste une très bonne carte, même si la cible principale n'y est plus. Et Hunter the God Eternal, très très fort contre tous les decks un peu mid, un peu gruul. Donc peut-être qu'au final, ce sera un deuxième Hunter the God Eternal, le Thief of Sanity, et une troisième Duress. Voilà, on va partir. Tous ces decklists, vous les retrouvez sur notre serveur Discord. Du coup, si jamais des gens veulent mettre un lien pour le serveur Discord dans le chat, si vous y êtes autorisé, bah, je vous invite à le faire. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous Yes, retrouverez on ça un peu mettra partout. les decklists à la fin du stream sur le salon decklist Et puis on va partir, Val. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Parce que pour le coup, contre stream. Bant, je m'en sortais bien. Contre Sultai, c'est différent. Avec ce deck-là. Hop. Ouais, bah, ça va se jouer à est-ce que je touche mes outils de grind et bottes dédaigneuses si je t'interdis de Vraz, je devrais gagner. Effectivement. En fait, si tu arrives à te mettre en place à un moment où je peux rien faire Ouais, c'est et que compliqué. tu passes un tour en fait avec ton board, c'est là où Ça, ça va être fort. Ouais. je visualise pas trop. En fait, genre, c'est bizarre parce que je me sens probablement trop confiant. Mais tu sais, genre, j'ai sûrement tort. Mais j'imagine Esper Control pas vraiment encore au niveau de ce que peut faire Okodek. Et j'espère me tromper pour pas qu'on ait un méta qui soit bah, que des miroirs, tu vois. Au moins, Effectivement. surtout que j'adore, et tu le sais, toi aussi, tu adores ça. J'adore les match-ups de midrange contre contrôle. Donc j'aimerais bien. Surtout que là, c'est pas un contrôle avec des comptes, c'est un contrôle tap out. Donc c'est encore Ah, plus intéressant. je suis désolé, j'ai oublié de couper le retour. J'ai ta main de départ et on concède, on relance. Excuse-moi. Ah, bon bah c'est pas grave. J'ai mis sur pause maintenant là, mais je vois ton Teferi et ta Narset. Donc, Pas de paix. Ouais, est-ce que tu gardais cette main du coup? Ça me permet d'en parler. J'ai deux ouais, dans le. temples, j'ai bien envie de lander. Ouais, je pense que tu la gardes, ouais. Attends, il faut qu'on concède du coup, qu'on relance. Ouais, désolé, hein, c'est de ma faute. Ouais, je pense que je la gardais vu que tu avais des temples et que Narset et Teferi sont deux bonnes cartes. Why not? Fallait juste que je trouve, mince, que je trouve un mana bleu là pour être vraiment bien, mais enfin un deuxième mana bleu, mais je pouvais aller le fetcher avec le phablet de passage, donc c'était tranquille. Non, non, ça va, hein. T'as tes couleurs, t'as deux planeswalkers intéressants. Le craquage mental. Non, non, mais en fait, j'ai oublié de couper le retour, donc j'ai tourné la tête pour voir le chat et il y avait la main de PL, je suis où là? Ça c'est la technique quand vous avez une mauvaise main, vous dites que vous n'avez pas coupé le retour. Ouais, en plus, elle n'était pas dingue ma main, c'est vrai. Mais je pouvais la mulligan, tu vois, je l'aurais mulliganée. Et là, tu commences, hein, évidemment. Ah, c'était toi qui commençais là? J'ai pas fait Ouais, gaffe. non, mais c'est pas grave, je rigole. Non, mais de toute façon, c'est du test, donc c'est important que ce soit aléatoire. Et... Enfin bon, gardez en tête que je commençais et que j'avais une main sympa. Gardez en tête que j'avais peut-être gagné celle d'avant quand même. Hein. Merci beaucoup à Sigriff, hein, pour le message que tu postes régulièrement, c'est très, très sympa. Merci beaucoup. Ouais. Ah, déjà, il n'y a pas de retour, hein, ça c'est bien. Rampe avec horloge de minuit, ouais. Technique qui a fait ses preuves. Du coup, vu que j'avais bien 26 landes, je faisais des deaths avec 26 landes. Mais je sais pas si Je sais tu l'as plus pas quand. remis, parce qu'il me semble l'autre fois, j'ai regardé ton stream et t'es passé de 26 à 25, donc je sais pas si tu l'as pas rebougé entre-temps.
Bah, j'ai enlevé Castle Ventress, mais j'ai remplacé par un land. Non, Ouais, pas mais du tout, je sais. Khorhaval. Après, si Teferi disparaît, Absorb est un bon spell, mais c'est pas l'idée du pack là du tout, donc. Bon, tu joues plus tap out, c'est vraiment le Esper Control, Planeswalker qu'on avait dans le méta précédent. Tant que Teferi existe, absorbe, c'est pas trop le bon bail, quoi. La Krasis, ok. T'as pioché quoi? Pardon? T'as pioché quoi? J'ai pas compris. Bah, je vais pas te le dire. Est-ce que je pense que le double bleu de Narset peut poser problème vu la mana base? Ça m'a posé Je pense problème pas. certaines fois, mais j'ai fait trop peu de games pour en tirer des conclusions actuellement. Bah, c'est Krasis à simple, 2? tu prends le tableau de Karsten, si tu as 12 sources de bleu, Sauf. tu es dans les cordes pour jouer Narset tour 3 dans ton deck, surtout avec 26 landes. Si tu as 12 sources de bleu, c'est bon. Le mec, il a fait un tableau référence incroyable, il faut juste s'en servir pour le coup. Je vais. Bah, disons, c'est fini de me donner le sang comme ça, Val? Devant tout le Ah monde? non, c'est plus pour le chat parce Oui, que bien c'est sûr. un lien que je link très régulièrement sur mon stream. D'ailleurs. Toi, je sais que tu le connais et c'est pas à toi que je le dis, c'est plus au chat en fait. Mais en vrai, tu sais que je m'en sers jamais. Franchement, moi, je m'en sers pas pour faire mes builds maintenant parce que je les connais de tête, les sources. Mais en vrai, si tu veux aller vérifier avant un tournoi ou quoi, ça fait toujours du bien, quoi. Ouais. En fait, c'est un Au moins, ça te peu. sécure. C'est pas inné, mais c'est l'habitude en fait, et je sens souvent quand une mana base est pas très bien quoi. Mais c'est vrai que l'article permet de mettre le doigt sur ce qui va pas. C'est pas 12 sources, Gblaze, pour un double CC? C'est 12 ou 14, je crois, hein, si c'est un double coloré. Et je crois que c'est 12 pour un drop 3. Mais bon, en tout cas, justement, voilà, quand vous avez un doute, la preuve, on peut en avoir. Bah, juste, il y a l'article, il est sur Channel Fireball. C'est Frank Karsten, il a été update depuis Ravnica Allegiance. Et c'est un article incroyable, vraiment. Et je le dis parce que je l'ai déjà linké plusieurs fois sur mes streams et ça aidera beaucoup les nouveaux, quoi. C'est quoi un CC? C'est un coût converti de mana, Arthuria Smil. Ah, ça, c'est une belle réponse. Ça, on va enfin voir des réponses à Oko grâce à Ça y est, ça. Ça, c'est Murderous bien. Rider revient en galopant. Ouais. Bah, c'est le principal atout de jouer Sultai plutôt que Bant, en fait, hein, pour le coup. Tu peux sacrifier tes Questing Beasts. Et j'ai pas le moyen de le faire de toute façon, même si je voulais. Passe en full contrôle. Ça marchera pas. Vous avez de la chance. Je veux bien, hein, mais. Mais c'est pas possible. La bonne colère de Kaya qui fait plaisir ici, hein. Ouais. Ce qui fera encore plus plaisir, c'est des manas. Ok, ça c'est frêle, ça me va. Tout ce qui est frêle, je prends. Et comme je suis content d'être à 5 points de vie et non pas à 4, tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Voilà. C'est 18 sources pour double mana coloré tour 3. Bon voilà, il faudrait que j'aille voir moi aussi mon tableau Ah ouais. de Frank Karsten. Oui. Toi qui disais ça fait du bien de revoir un peu, ouais, ça te ferait du bien de revoir un peu du coup. Ah bah oui, mais de toute façon, avant un événement, il faut aller y faire un petit tour. Et salut ma chouse, je ne t'avais point vu dans le chat. Après, c'est comment dire, le 18, il faut prendre en compte que ce tableau te donne les sources optimales. Tu peux un petit peu sortir des règles, hein. Par exemple, il y a plein de decks qui n'ont pas les sources requises pour jouer WA, et la carte est tellement forte qu'on la joue quand même, hein, par exemple. Genre, si vous n'êtes pas à 18, ça ne vous empêche pas de jouer la carte. Probablement, Felu Paru que comment s'appelle? Vraska est une bonne carte. Ouais. Ah, tu le sais, hein. Quand ça te met un petit stop,
Ouais, c'est bien connu. On la connaît celle-là. Hop là. Ah, ça Attends, dégage je ça. te vois. Ah, j'en voulais pas ça. Bonne carte. Ça, ok, on va garder. Ouah. Wow, Max Bowman qui dit sauce le PL. J'essaye de saucer. Allez, on gagne 2 points de vie, ça fait plaisir. Bon, Pas bien écoute. ici, hein. Faudrait que je top deck une Krasis pour revenir dans le game. Et c'est là où mes contres entrent en jeu. Pas du tout. Bah non, mais c'est juste pour piocher des cartes, quoi. Au pire. C'est bien les cartes. Ah bah plus y en a et plus tu vas réussir à battre contrôle, ouais. Bon, on va concéder, je pense. On battra pas. Je crois pas qu'on puisse battre Liliana ici. Ah, y a quoi? Y a Questing Beast peut-être qui peut m'aider à battre Liliana encore? Je pense que le meilleur play là c'est Krasis qui te donne des bonnes cartes. Ouais, rien que Questing Beast, c'est pas trop mal parce que pour l'instant, si t'as pas de gestion pour elle, au moins elle retarde très longuement l'ulti Ouais. Liliana. Là Krasis tu peux en faire une 7-7 piocher 3 cartes. Ça te mettait aussi pas trop mal. Ouais, ça pouvait me trouver une Questing Beast en plus derrière. En fait ouais je pense que le play c'était genre Krasis qui t'amène Nissa, Questing Beast et mais je sais pas, cavalière meurtrière. Non, Ça je te pense que mettait là, bien. tu feras trop de value pour que je puisse revenir de cette game. Je regarde quand même ma prochaine draw et ça sera la concession. Ouais, j'ai même pas besoin là, j'allais être un peu overkill pour le coup. Il n'y a pas de gamble pour l'instant, Ruben. Il n'y en aura pas, on est sur le stream officiel Magic, pas sur notre stream à nous, et du coup on n'a pas nos outils, on n'a pas nos bots pour faire les tirages au sort, les giveaways, on n'a pas nos sponsors, donc pas de tirage au sort tout simplement. Hop là, j'ai pioché que des terrains. Ah, pas de chance. Là, en fait, j'allais faire un play, c'était de faire utile Liliana au tour précédent. Mais je perdais Liliana et je me suis dit que, vu que je te mettais pas de pression, t'avais presque le temps de revenir en fait. Ulti de Liliana? Ouais. Bah t'as gagné si tu fais ulti de Liliana. J'avais Elder Spell. Bah oui, mais t'as gagné si tu fais ulti de Et Liliana. ouais, mais comme je perds Liliana et Teferi, je jouais avec les cartes de ma main. Bon, qui était, j'avais une commande de Dreadhorde, tu vois, mais ça Attends, m'obligeait il à me fait quoi? mettre Il fait un. quoi l'ulti de Liliana? Tu gardes un permanent de chaque type. Donc je te laissais ta bête, je t'enlevais Ah. juste tous tes terrains. Je trouvais que c'était Ah ouais, c'est pas. Ouais, pas le meilleur non, t'as play. raison. Okay. Je remettais pas le. J'étais en mode, bah, si tu peux faire l'ulti, ça a l'air trop bien. Mais non, c'était pas si fou. Alors, ça c'est un peu trop faible. C'est particulier, hein. Si ça devient un vrai deck du format Esper Control, va falloir quand même le respecter un petit peu plus en side. Hein. Rentre, tu sais qui, PL. Avec le tu sais quoi. En tu sais combien d'exemplaires. Et tu sors ce que tu penses. Alors, à tout hasard, combien êtes-vous là? Je suis curieux parce que du coup, je n'ai pas le retour. On est 1857 actuellement. Et pas mal, hein? Merci Bonjour à beaucoup tous. d'être là. Bonjour. Après, alors il y Stream a des gens from qui la proposent France. Unmort d'Ego dans les sides. Ça sera bien si la version Esper Stax revient, mais sinon, contre le reste du méta, c'est pas très bien Non. Unmort d'Ego. Ça, je le disais tout à l'heure, je le laisse parce que ça reste quand même une super carte quand vous pouvez la jouer. Mais c'est pas non Mais on plus. sait pas encore pourquoi. Voilà. C'est s'il n'y a aucune raison en fait de la jouer, bah c'est deux Ça cartes mortes quoi. partira. Your opponent goes first. C'est bien ça de goes first. Ouais, c'est pas mal. C'est cool. En vrai, on va pas se mentir, on est content.
de Ghost First. Et elle a vaincu. Attendez, les mecs. Voilà, assez mal pioché sur les deux games là. Ouais, puis on a encore 2 heures, donc j'espère bien en attraper une ou deux quand même. Alors je pense par contre que pour le Gruul, faut rendre à César ce qu'il y a à César. J'ai pas très bien joué, hein. C'est Oh fort ouais. probable que ça soit aussi ma non-expérience avec Gruul qui ait fait imploser le paquet, quoi. Je me suis estimé pas chanceux, mais il y avait peut-être aussi de la non-optimisation, quoi. Alors je crois, je veux pas m'avancer, mais qu'on pourra récupérer la rediff, Zoran. On va demander si, enfin, on a demandé, on attend la réponse, savoir si on a le droit. Mais de ce que j'ai vu, ça devrait être possible. Créa de fou de token. Allez, Alors, je enlève pense que ça. vous seriez pas marré, non. Je pense pas. Je suis Ouh! vraiment pas certain que ça aurait été On très passe à très côté bien. d'une questing beast, ça fait très plaisir ça. Bon, elle arrivera juste après, hein, mais. Salut. C'est cool. Hop là. On pourrait faire une game commentée en anglais si vous voulez, hein, mais ça va être, ça sera pas commenté, ça sera juste de la même manière dont on s'exprime quand on va à un GP, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est bien vu ça. Ce sera juste très indigeste. C'est ceux qui vivent dans la forêt, ça, les indigestes. Ah, c'est les indigènes, ça. Pas d'angloserie. Bah, ça donne un truc genre. Ok, draw step. Battle step. Ou battle Ouais, c'est phase, ça ça. dépend. Trigger, trigger. Target, You take stop. two. Judge. No, you take three. I take one. Bah, en vrai, tu rigoles, mais moi, c'est mon niveau d'anglais quand je change GP, hein. Alors, je suis capable de communiquer avec tous mes adversaires, mais c'est pas très propre, quoi. Je fais pas d'effort d'avoir l'accent, quoi. Je veux juste que mon adversaire comprenne ce qui est en train de se passer dans notre game. Est-ce que je me suis bien fait compris? C'est Val. En anglais, klaxon too long. C'est honteux. Mais Allô? tout est honteux de toute façon. J'ai toujours du mal à savoir ce que je vais chercher. Là, je peux prendre une plaine. C'est honteux. La pression est mise et mes lands m'ont empêché de jouer à quelque chose au tour 3. Donc. La pression est de mise. Ouais, absence de checkland, ouais. Oh la goose! Oh la maudite La bonne... goose! Elle est bien dans le match-up là. Ouh là là. Bah, tu sais quoi, c'est peut-être la goose là qui te met bien. Ça te fait peur, hein? Ah ouais, j'avoue, c'est pas mal. C'est un 3-3 de plus sur Oko, quoi. Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça qui m'emmerde un peu là, pour tout te dire. Dis-moi tout. Ouais, je vais tenter ça là. Je sens que c'est le moment. Ouais, c'était le moment, t'as raison. Ah, oh, merde. Bien joué. Alors, en vrai, le play c'était Teferi là, mais. Comme t'avais une carte depuis le début, j'ai pas pensé à un contre, je pensais que c'était une Krasis. Et je me dis là, je gagne 3 PF, je mets un 3-4, je te fais défausser une Krasis, winning play. Il y avait moyen que ça soit pas trop mal, effectivement. Mais non, c'était un contre. Ouais, si c'était pas une botte, t'étais bien. Mais c'était une botte, c'est toujours la botte, hein. Allez, je rentre tous mes Odmurés d'ego. Il faut. Et je dis Oko. Attends, je vais jouer Sultai pour avoir roi tour 1, Odmurés d'ego tour 2. Qu'est-ce que tu vas faire, Val? Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Le jeu est battu, tu peux pas. Tu peux pas Ah contrer bah ça. oui, je suis foutu quoi. C'est mort. Et puis après, tour 3, tu fais une Mordigo sur Nissa et je prends mes cartes, je m'en vais. Hein. Je suis out du tournoi. Parce que Ah. quand tu fais ça, tu récupères pas tes cartes à la fin. C'est très Ah ouais. important, faut le savoir. Ah ouais, Odmurés d'ego, tu enlèves les cartes de la bibliothèque. Après, tu appelles un arbitre, tu fais deck check. Et le mec, bah, il lui manque 4 cartes. Donc automatiquement, Ah bah éliminé. tu loses la suite quoi. Tu as fini Magic si tu fais ça, tu as résolu le jeu. Bravo, vous avez gagné Magic. Un mec qui vient, qui te dit ça. Mais il y en a qui participent à Magic, hein, comme Gabriel Nassif. L'Elementor.
Oui, il a participé au Magic de Il a Londres en participé au 2000. Magic de Londres. Pour ceux qui ont pas la ref, c'était écrit La sur sa page page Wikipédia. Wikipédia en français de Gabriel Nassif. Parce qu'on voulait Ok. voir combien il avait fait de top 8, je crois. Et on est tombé sur ça. Et il avait participé au Ça, Magic de Londres. pour le coup, c'était vraiment honteux. Voilà. Ah, c'est qu'il n'y avait pas de page en français, je crois, et que ça a été traduit. En tout cas sur téléphone, hein, je crois que c'est pas Ne les leur mêmes cherche pas pages. d'excuses. C'était bel et bien honteux. Ok, I bought your beast and so you lose. Exactement, The Brick. Mais c'est tellement ça. J'espère qu'il y a des gens qui parlent anglais qui nous regardent et qui entendent des mots du coup qu'ils comprennent. Ils doivent se poiler là, ils Ouais, adorent, c'est dit, c'est mais génial. qu'est-ce qu'ils Moi, font? j'adorerais voir un stream anglais et le mec dit Camembert. Ça ferait tellement rire. Déjà, quand je regarde Andrea Mengucci, des fois, il y a des mots qui sonnent un peu français. Genre, une fois, il parlait de Marie-Antoinette, de croissant, etc. Et ça ressemblait, du coup, c'était marrant. Peut-être qu'il parlait en français et que tu le comprenais pas. Ça ressemble à du français. Non, en fait, c'est du français. Alors. Omelette du fromage. Le fromage. Allez, la petite coasting beast là. Ah, Vraska, c'est bien aussi. Mais ça fait quoi, Vraska? Contre Pour moi. l'instant, ça fait rien. Tu les laisses contre moi? Ah bah c'est un outil de grind hein, en vrai. Si tu la gères pas, elle te menace de te tuer toute seule. Two Plains Soccer est un problème pour Esper. J'adore le chat. Faites beaucoup rire. Elle fait juste le nombre en fait. C'est important de faire le nombre. Oui. Tu vois, là, si j'avais eu un play créatureux, tu répondais par colère de Kaya et j'étais cuculapraline, tu vois. Alors que là, même si si t'avais une colère de Kaya, bah, je gardais ma Vraska derrière. C'est Ouais. juste ça l'ambition du play, tu vois. Ok. Après, c'est vrai que ça peut être létal à terme, Raska. Ouais, c'est ça. Si tu la laisses tourner, t'as une bête de quête qui te touche et c'est fini, tu vois. Mengucci, s'il apprend le français, il va top deck les mots. Du coup, il n'a pas vraiment besoin d'apprendre, en vrai. Ah, parce que je les ai pas changés, les Basic Land. Ouais, c'est vrai que. Pas dingue. Ah, bah C'est ça, trop je le bloque bizarre bien. parce que ça bloque bien, mais en même temps mal, je trouve, tu vois. C'est comme Golos, ça Ouais, bloque bien bête mais de quête, mais mal. le but c'est que c'est une opportunité de bloquer. Ouais, non, Donc en mais fait carrément. c'est contre Ah non, Questing mais je pense Beast. qu'il faut jouer ça largement au-dessus du 2-3, qui dans tous les cas, lui, ne bloque pas. Ouais. Mais c'est rigolo que ça bloque bien mal, quoi. Ouais, J-Rock a bien été vengé, ouais, effectivement. Oh, bien joué ça. Ah, je me meule quand même 4. Et je crée une 4-4. Ah oh, bah c'est bien, c'est tout ce que je voulais. Ouais, c'est quand même déjà pas mal, hein. Enfin, si je pouvais tuer ta bête, c'était mieux, mais. Veil of Summer, attends, c'est vrai que j'y pense pas assez cette carte là du coup. Ah, Veil, ça pique, hein. Ouais, surtout le principal upgrade, c'est que tu m'obliges à minus dans ma Vraska. Et ça, pour le coup, je vais te dire, ça m'emmerde assez. Ça me fait gagner pas mal de temps. Et j'ai gagné les 4 PV aussi, ça c'est cool. Vas-y, attaque là. Avec l'autre. Ok, je prends Ugin ou Liliana ici. Ou Ugiana. Ou Lilianine. Ou Colère de Kaya en fait. Ouais. Je sais pas pourquoi je m'emmerde. C'est juste un play plus simple. Non, c'est pas un drain de vie, c'est vous infligez des points de dégâts et vous gagnez des points de vie. Attendez, on va voir le texte.
Ah si, égote au dommage fait. Ah bah effectivement, alors c'est bizarre, j'aurais pas dû gagner des points de vie. Si tu fais les dommages, c'est juste que... Ah Non, non. je les fais pas. Ouais, tu les fais pas. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Quelle est la règle? Quelle est la règle applicable Ah bah non, ici? mais en fait j'avais pas gagné de points de vie, c'était les points de vie de mon basilica, je crois. C'est ça. Ah, Pour ça probablement. j'étais à 19, je croyais que j'avais gagné, mais pas du tout. D'accord. Ouais, tu les as pas gagnés en fait. Et quoi là, c'est le petit Iron Scorn là qui part sur la Krasis? Ah non, mieux, le petit exil là, et tu sais pas lequel des deux. Je te donne un indice, le truc que tu gères pas avec des anti-bêtes, c'est bien. Ouais, je réfléchissais à ce que je pouvais piocher. Franchement, J'allais mieux si ton gérer pool de ça. PV il est encore assez haut, m'enlever un. Après, je peux quand j'aligne les landes avec Vraska, je peux avoir plein de top deck, tu vois. Je peux piocher une carte de plus par Ouais. tour. Donc, Alors en fait, là, t'allais commencer à pouvoir piocher avec Vraska en plus, donc. ouais, je suis assez d'avis qu'il fallait gérer Vraska Désolé, c'est ici. guerre. Alors, est-ce que tu as envoyé Itsugaya un message à la chaîne Valépl? Si tu as envoyé un message, tu vas le recevoir, ne t'inquiète pas. Si tu n'as Ouais, pas envoyé de alors message, c'est moi pour ça que tu n'en as pas reçu. j'en ai envoyé une bonne chier déjà à midi en me réveillant et normalement il n'y avait pas d'autres demandeurs, donc je regarderai ce soir s'il y en a d'autres qui sont manifestés Ah, bah entre-temps. alors je vois que tu as envoyé un message, mais tu l'as envoyé récemment, Itsugaya, donc c'est normal. Fallait l'envoyer, enfin, si tu voulais, aujourd'hui, fallait l'envoyer hier soir, donc du coup, tu le recevras tout à l'heure ou demain. Ah, salut toi. C'est pas la Yes Life, c'est la Décalé Life. Ouais, mais désolé, on a streamé 30 heures, du coup je suis décalé. Et pourtant, moi je suis en lève-tôt en plus. Hein, donc, en plus, je me suis réveillé à 11h30, franchement, en se couchant à 4h tous les jours. C'est ok, hein. Ouais, c'est ok. Alors là, j'ai un doute sur La l'interaction. version Uerdro Chacal, elle est toujours ok, Chacal consensuel, bien sûr. La version vraiment bleu-rouge, elle est vraiment bien. Bleu-rouge double draw. Alors, est-ce que si je cible ça, les gars, je meurs? On est d'accord, hein? Ouais, je vais mourir, hein? Ah ouais, je crois que je meurs aussi. Du coup, je vais pas faire ça. J'avais un doute. Quel est le play ici? Bah, il y a un truc qui me piquait. Et ouais, je meurs. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Ça, c'est le play. Et est-ce qu'on prend ça? Je crois pas, non. On fait un souplé. Un underplay. Allez, des gens te disent que tu meurs pas, hein. Alors je sais pas ce que tu veux. Tente, on sait jamais. Ah, John Rock me dit oui. Et il a déjà fait. Bon, bah, si je te crois alors. Est-ce que ça change grand-chose, ça? Alors, je vais juste prendre ça. Et s'il a contre, GG. Ouais. Bah, il a le contre. Je pouvais pas tourner autour, malheureusement. Pioche beaucoup de land ici. Et je suis pas mort, mais ça va être très dur parce que là, il peut, voilà, développer des créatures, créer un foot d'oko. Oh, bah, Nissa me tue du coup. GG. Sur le fil, Pas merci. mal. Alors, en fait, là, Nissa me permettait de gérer Krasis et Pratique. d'avoir un Planeswalker qui puisse me faire gagner, enfin, piocher des cartes, gagner des points de vie. Il y a une bonne piste parce qu'à la une, je pense que je suis extrêmement défavorable. Par contre, après le side, je me sens vraiment très bien. Ouais, mais j'ai pas du tout tourné autour de ton side aussi, donc peut-être que le mien n'est pas très C'est vrai que adapté. les bottes dédaigneuses avec les Veil of Summer, ça paraît très très gros et très très dur à passer pour Esper. Ouais. Après, par contre, à la une, il y a vraiment un truc à faire parce que qu'importe qu'on joue Oko, ça a l'air très très dur. On mettra les listes sur le Discord, Judère. Bien sûr. Est-ce que tu veux retenter? Ça m'intéresse Ouais, grave parce j'aimerais que bien refaire ce je suis pas match-up, il était seul. très intéressant et Est-ce que tu veux rebuilder en fonction? Non, je vais le laisser comme ça, c'est bien de voir ce que le pack Ok, vaut un peu de voir ce plus. que tu regardes. Ça me va. J'ai senti ouais, qu'à la une il était bien, mais à la deux je perds parce que je suis décurvé à cause de mes landes. Si je peux faire un play tour 3, j'économise des points de vie, je mets un Planeswalker. Ou alors je vais chercher une solution.
Et du coup, la game est pas mal différente. Donc pour le coup, la 1 et la 3, elles sont déroulées normalement, mais la 2, c'est pas ce que c'est censé faire, quoi. Ouais. Puis en plus, tu as le contre au moment où j'ai un espoir de revenir. Tu commences deux fois la filée quand même, hein. Oui, c'est pas. Oui, Franchement, ça me va de te laisser c'est abusé, commencer ouais. par. Non, non, t'inquiète. Ça me dérange pas, Non, j'ai hein. gardé ma main, Val. Ok. On commence, je t'en prie. Ok. J'ai pioché une Narset, si, Fred Duke, mais justement, c'était à la game où j'ai pas pu la jouer parce que mes landes m'ont trixé. Mon trahi. M'ont trahi. Mais ils m'ont un peu trahi, mes landes, hein, quelque part. Ah, effectivement, si, là, ouais, je représente mal, là. Après, on est en découverte d'archétypes, hein. Nos decklists sont pas solides, elles sont en cours de construction et on a très très peu de temps pour trouver la bonne réponse, quoi. C'est des decks qui boitent, mais pas Ouais, trop. donc. Vous voyez? Et ils peuvent courir un peu. Soyez indulgents, quoi. On a respectivement 5 et 12 jours pour trouver la bonne solution. C'est pas non plus des. Merci beaucoup à Samir pour le don de 18,10€. Merci beaucoup. Ah, 1 centime par viewer le don, merci énormément. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Merci beaucoup. Ouais. Première fois qu'on entend un extrait de The Mask, je pense, sur le stream Magic officiel, et ça, c'est incroyable. T'as des belles cartes, toi, hein. T'as vraiment des belles cartes. On fait des trucs. Ah, j'ai belle carte, mais j'ai des sorties un peu molles, quoi, un peu nulles. Valgucci. Bah là, c'est pas le cas. Hein. Andrea Valgucci. Mais j'avoue qu'à la une, je me sens vachement plus frais qu'après Side. Ah bah ouais, franchement, ouais. En Et tout les cas, moi, Duress, c'est le. La ouais. vision que j'ai du match-up, c'est vraiment ça. Hein. C'est à la une, je me sens démuni, quoi. Mais au risque de comment ça s'appelle? De spoiler un peu, je vais te dire ce qu'il y a dans mon side et tu vas me dire ce que tu rentrerais. Parce que je pense que mon side est pas très bon. Ouais. Enfin, comme j'ai sidé, D'accord. c'était pas optimal. Surtout sur ce que Ok. je sors. Ça me va. Toi, je pense, bon, c'est assez simple, hein, c'est bot et veille. Ouais, Bod, Veil et Garruk. Ouais, le Garruk, ouais. Et je sors Méchant Loup. Une druidesse d'incubation. Parce que ça a fait ramper dans Vras, ça m'intéresse pas. Et je crois. Et il y a une seule autre carte que je sors, je sais plus ce que c'est. Enfin, le side est assez simple. C'est simple, ouais. Pas trop de problèmes. Difficile. On testera un petit peu le match-up contre Esper Doom, mais également j'ai le pack monté. Je suis peut-être pas la meilleure version, mais j'ai une version qui a perf dans un tournoi, donc je suppose que c'est quand même pas dégueu. Obligé de faire ça, c'est un peu. Ah mais Ah, non, c'est mais un je suis peu un naso. connard. Ah, Alors c'était pour désolé, je draw. viens de complètement me throw. En fait, Vraska, elle tue Narset, mais pas dans ma tête. Voilà. Ah, ouais, Genre, effectivement. Mais ouais, j'avais pas j'ai compris le perdu une play. draw. Non, mais en fait, dans ma tête, c'était en mode, ok, comment je match Narset? Il faut que je descende une Krasis de 2 pour pouvoir l'attaquer le tour d'après. Mais en fait, non. Val, tu es un connard. En fait, t'as Vraska, match Narset. Donc j'ai miss, j'en suis désolé, je m'en suis rendu compte instantanément. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué Vraska et Narset, et du coup, ça m'est complètement sorti du bulbe rachidien. Out of the bulb. Ah, vraiment, hein, je me suis débulbé, quoi, excusez-moi. Tiens, puni, comme si j'avais fait Ça carrément nul, t'apprendra à quoi. jouer des Krasis. Ouais, je me suis trouvé, c'est pas très grave. Ah bah c'est une 5-5 ça. Ouais, contre toi, franchement, c'est bien ce play, je pense. Enfin, c'est ok, en tout cas. Alors là, comme on est à la une, je peux faire un play sale. Que Oh, je c'est un bon pourrais play. pas faire enfin difficilement à la 2. Oh, ça, c'est très bon play, même. C'est piquant, Après même. tu top deck un land, t'es encore là. Ah, tu peux top deck pas un land. Je l'attends depuis bien trop longtemps, ce land.
Ah, pourquoi j'ai fait n'importe quoi là? Pourquoi j'ai pas pioché cette carte supplémentaire? Ah! Je sais pas si t'évalues où. Cette colère de Kaya? Ouais, non, ouais, si. Je crois pas, mais. Mais pourquoi pas? Peut-être que tu te sens extrêmement devant. Je me dis, si je te coupe, ça permet de faire un truc. C'était peut-être pas le meilleur play là. Bah, tu trouves le land en tout cas. Ouais, j'avais de bonnes chances de. Ça fait 3-4 draws que je le cherche. Ah, j'ai mal joué en fait. Maintenant que je recalcule. Quoique. Non, je crois que peu importe. En fait, j'avais d'autres plays. Et pour le coup. Je connais pas ta main, si t'es extrêmement devant, ça peut valoir le coup, mais disons que ça te donnait sûrement la win plus tard, cette colère de Kaya. En fait, je vais te montrer maintenant. Voilà, c'est ça mon autre play. Et tu pètes. Mais en fait, Et tu pètes. comme ta Ouais, mœur mais de du coup, ça. rousse, valait mieux que je joue d'abord, enfin après Ugin, une fois que t'as joué Nissa. Parce que sinon, je pouvais le développer le tour précédent, faire un 2-2. Et du coup, t'aurais pas joué Nissa, même si sur un top deck land, t'aurais d'abord joué Ugin, je pense. Ça, c'est Mengucci cuisine, hein, ce qui vient de se passer, hein. Ouais. On va pas se mentir que ça fait plaisir. Non, je pense que t'avais raison sur ta ligne au final, puisque justement ta main avait un bon backup, quoi. Encore plus si t'avais plusieurs exemplaires. J'ai cru que t'en repiochais une, j'allais dire aggro à s'abuser par contre là. Coup sur coup, je peux Ça pas me pourrait, battre quoi. hein. Attends, Parce qu'à la une, c'est on est à vraiment ça l'abri le de rien. problème. Hein. Bon, Et merde, non, lui. il peut pas répondre. Je peux répondre avant, mais j'ai rien à cibler, donc. Ouais. Donc je me sens démuni. Val disciple de Mengucci, bah quand il veut en vrai. Un bon joueur. Disciple-moi. Ouais, il n'y a pas de souci, je prends. Ouais, je peux te laisser ta gousse en vrai, hein, sans cag. Ben, j'ai mis un stop à ma propre phase. Gagner la une sans une bonne sortie, ça paraît être l'enfer pour moi. Ah, il y a un collègue à toi dans le chat. Le pseudo est Falgen. J'ai pas vu. Ah oui, je vois très bien. Hop là. Bah, ça va très bien et toi, Falgen? Qu'est-ce que tu fais sur un stream Magic? Tu t'es mis à jouer à Magic? Et je sais, Garpraski, on l'adore inventer des mots. On a inventé quel nom ici? Discipler, devenir disciple. Ah, ouais, c'est la dissipation, c'est connu, hein. Faut ouvrir les dictionnaires, les On m'a gars. dit non, c'est mentoré. Non, mentoré, ça c'est les chewing-gums qui ont un goût de menthe. C'est pas la mentholée plutôt? C'est un nez à la Non, menthe. ça c'est un air à la menthe, voilà. Ah, tu suis, Val, c'est bien. Ça me fait plaisir. Ah putain, je me sens tellement. C'est nul. Il est nul ce deck. Il est nul ce deck. Je me sens comme un gosse, mais pas le bon côté du gosse. Le gosse Je sais pas puni. si c'est clair ce que je dis. Celui qui a pas de pouvoir d'achat, tu veux dire. Il est nul ce gosse. Ouais, voilà, exactement. Tu vois, le mec qui est obligé de demander à ses parents pour avoir de l'argent. Horrible. Ah, c'est marrant. Moi, quand j'étais petit, je demandais à ma mère, pourquoi tu vas pas au retrait, il donne des billets. Et maintenant tu comprends, tu dis bah ouais, c'est pas infini cette histoire-là. Mais c'est vrai que quand t'es gosse, tu sais pas que c'est pas infini. Tu joues pas de loup dans la liste, si? Je joue pas deux. De loup, si? Si, je joue des loups, si. Je m'en rappelais plus, j'en ai pas vu sur 4 games. Des loulous, bah ils sont décidés après, pour le coup. Ouais, ça cible rien donc. Enfin, ça cible des cartes que tu n'as pas envie de tuer. Ah bah j'espère que tu prends du plaisir du coup Falgen sur bah, cet excellent jeu, hein. Franchement il est dingue le jeu. Tu continues DB aussi? Ouais, on se prend un petit café avec Falgen là hein, sur le chat. Pépouze, discutez comme s'il n'y avait pas 1500 personnes autour de vous Oui. qui vous écoutent et lisent vos messages. Oh, c'est de l'espionnage industriel. Un petit peu, hein. Vous êtes là, vous.
On en est là. Bah écoute, ouais. J'avais Oui. pas de répartie. Je suis en mode bah écoute, ouais, on en est là en fait. Effectivement, le raid russe hier était très, très marrant. Oh, c'était menaçant, On s'est vraiment. fait envahir. J'ai eu peur avant de me coucher, moi. Si peu, ils ont mon adresse. Oh, par contre, j'avais mis autre chose que des landes dans le tac. Donc si je peux piocher autre chose que des landes, c'est bien, quoi. C'est pas pour me déplaire que tu ne trouves pas tes landes, on va pas se mentir. Hein. De quoi? C'est pas pour me déplaire que tu trouves C'est rien à clair. part des landes. Ah mais là c'est plus de Wicked Wolf. Ah c'est bien ça, c'est très chiant à gérer. Ah. Bon, c'est bien ça. Hein. C'est correct. C'est correct. Ça fait tenir, quoi. Peut pas être 4-5, franchement. Tu te rends compte, il coûte 4 mana colorés quoi. Ah bah Et il c'est fait honteux juste hein. discard, gain 3 life. Je pense que ça C'est vire au honteux. final. J'ai trop D'accord. fréquenté Maybe, ouais. Il m'a contaminé. On pioche les mêmes cartes, lui et moi. Hop là. Alors, Allez. Wicked Wolf, Donne le hanteur ouais. à Papalou. En vrai, qu'est-ce que je fais d'autre avec mon Hunter? Je te beat down? Ah, tu vas mal beatdowner, je pense. C'est pas ton rôle. Oh, faut que je te fasse craquer tes foudres, donc bon. Eh ben, je le craque pas. C'est le mec qui a juste l'esprit de Eh ben contrarier. je garde 6 Ah, pèves, tu qu'est-ce que tu vas perds. faire? Eh ben Bah, gagné? Ah tu as merde. gagné, en fait. 6. Allez, vas-y, on se commit, là. Tu vas bien piocher un land le tour d'après, encore, de toute façon. Ah! L'inverse d'un land. Une Et carte qui en merde. trouve une autre. Et mince. C'était pas prévu ça. Ouais, on y va. Hein. Ah bah vas-y. Hein. J'arrive le dernier food et deux bêtes, c'est ok. Bah ouais. C'est chiant, on va se le dire, ouais. Menguchi. Putain, t'es bon toi, hein. La vache. Oh my god. 11 landes quand même. 3 points. Je prends 5. Si je top deck un land, j'ai perdu. Non, je crois que t'es Ah, avec vivant ces sur un deux land. pèves. Ah non, 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 je t'es suis si t'es mort. un land, t'es perdu. C'est vrai, il faudrait que j'appelle Mengucci peut-être. Je lui montre ce replay. Je lui dis, hey, Putain, regarde. le pire c'est que je vois le Murderous Rider au-dessus de la bibliothèque. Ouais, non, mais là, c'est nul. Je dois pas gagner les premières games comme ça où tu passes des Vras et tout. C'est pas très représentatif. Ouais, mais ça peut arriver quoi. Alors, ce que je rentre contre toi, c'est 3 Noxious Grasp, Ouais, au moins normal. un Elder Spell, sachant que j'en ai un main deck. Ça, c'est peut-être plus. Ouais, quoique. Ouais, non, quoique, t'as raison, je pense. Un Dispark, j'en ai déjà un main deck. Et Ouais. un Hunter the God Eternals. Je crois que j'entrerai pas le Hunter the God. Ça cible Ça tes dépend. bêtes de quête, ça cible un peu tout, tes Krasis jusqu'à ce qu'elles soient plus que 4-4. En vrai, ça va gérer que bête de quête. Hein. Enfin, Krasis, mais dans certains rares Bah, cas, quoi. ça gère tous les tokens d'Oko ou de Nissa aussi. Ouais. Je sais pas trop. Bah, c'est la seule carte, en tout cas, que j'ai à discuter. Pour le reste, je Ouais. suis d'accord. Et ce que je sors, c'est un Legion's End, les deux Tyrant's Scorn. Ouais. Attends, Tyrant's Scorn, ça toucherait quoi? Ça touche tes accélérateurs et Hydre. Quoique ça touche les tokens aussi, remarque. C'est décent, hein. Franchement, c'est pas mal. Peut-être que je les laisse, en fait, c'est j'entre pas Hunter the God Eternal. Nissa, ça touche bête de quête, Vraska, Krasis, Garruk, Nissa. Pas mal. Et Ouais. ça tue les loulous en main deck, mais je les decide J'en pour ai une pas main rentrer deck, fort ouais. dans Dispark. J'enlève un Serment de Kaya. J'en laisse un parce que ça peut avoir de la reach sur certains trucs. Et ça me fait gagner 3 PV. J'enlève deux Teferi.
Ouais. Et tout à l'heure, j'ai pas enlevé le Commander Lord, mais je crois que c'est ça que j'enlève. Ouais, je pense que commander l'ordre, ça dépend. Tu peux peut-être la laisser si t'es sur le play, mais sur la draw, tu vas te faire un peu agresser, ça paraît difficile. J'ai l'impression que du coup, ouais, il faut le retravailler, le main deck et le side, parce que t'as pas un side facile en fait. Ouais. Si t'as pas un side facile, c'est peut-être ça le problème, quoi. Moi, j'enlève Et juste voilà. quatre loups, une ruidesse, et je rentre trois bottes dédaigneuses de voile de l'été. Et c'est tout. Ah, et je rentre un Garruk à la place d'une cavalière meurtrière aussi. Ouais, je sais pas trop, il faudrait qu'on regarde, mais ça m'intéresse bien en fait, Esper, là, sans Field of the Dead. Hein. J'aime bien le pack en tout cas, il est très agréable à jouer, mais ouais, faut qu'il soit retravaillé. Bah, en Ouais, fait, voilà, quand vous c'est pas voyez ces retravaillé, mains-là. la shell est bonne, c'est les slots, tu vois, ça, faut que ça bouge un tout petit peu pour les plants de side en fait. Il y a un truc, quoi. Parce que je sais qu'ils décident des trucs qui prennent 10 sparks. Donc j'en rentre un, mais effectivement, peut-être que je devrais rentrer les deux. J'avais deux en side, un main deck. Ouais, je sais pas. Ouais, ça touche pas mal de trucs en même temps. Je sais pas trop si t'as besoin de ça. Franchement, c'est tout nouveau, hein. Là, ces match-up-là n'existaient pas avant. Donc il va falloir beaucoup de tests pour savoir, quoi. Des fois, la pratique suit pas la théorie. Et il y a des trucs qui paraissent être bien, qui le sont pas, et inversement. Donc c'est difficile là de décerner déjà ce qui est bon ou pas. Hein. On repart vraiment sur un nouveau format en vrai. Hein. En tout cas, c'est plus simple de Il y a des chances à le rebuild bébé, ouais. Sultai Oko parce que la shell Oko a été validée et existe déjà. Que rebuild Esper, va falloir vraiment y mettre un peu de cœur à l'ouvrage parce que pour le coup, il n'y avait pas de shell de base qui marchait bien après la rotation, quoi. C'est plus difficile pour Esper, quoi. Hop, je m'absente une seconde, je vais juste enlever mon sweat. Il fait très chaud Vas-y. maintenant. Ouais, c'est ça, Kedora. Ils ont seulement banni Field of the Dead, ouais. Et je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bien sûr, Falgen. Bah, de toute façon, t'as mon FB, donc tu passes par Facebook, y a pas de problème. On a un autre Once Upon a Time. Once Upon a Time en main, du coup. Once upon a time. Du coup, on n'avait pas dit qu'il fallait jouer 4 couleurs Esper avec Oko et Once Upon a Time? Ouais, c'est ça. C'était pas le plan à la base? J'espère pas regretter ce choix de Land. Là, j'ai une fâcheuse tendance à piocher ces cartes en multiples exemplaires alors qu'on en veut vraiment pas. Drawing to Dreams, ouais, c'est pas con. Si on a besoin de value, c'est pas mal. Tu l'as pas fait à la fin de mon tour. Non, j'ai fait de la merde. En fait, je Ah! pensais que c'était le premier. En fait, j'étais occupé sur le chat et je me suis dit, bah, j'ai pas fait mon Once Upon a Time. Bon, bah, ok, c'est pas grave, je prendrai de l'info plus tard. Tu sais, j'étais là en mode, putain, j'ai pas tenté de faire Goose tour 1, je suis con. C'est Ouais. pas grave, je le ferai tour 2 pour aller chercher ma druidesse. Et en fait, c'est le deuxième que j'ai joué. Donc, C'est du du coup, coup, t'as passé ça a ton tapé tour. mes manas. Et... Bon, en gros, je suis un gogol, quoi. Je suis un gogol. Tout simplement. Je suis un peu fatigué, excusez-moi. C'est des erreurs de. C'est des erreurs. On restera sur l'argument. Salut Ouais, toi. en gros, pour que vous compreniez la bêtise, je pensais juste ne pas avoir encore joué de Once Upon a Time. Pardon. Ah, c'est une bonne réponse, ça. M'emmerde lui. Ah là là.
Nice qui fait trembler le monde. Bah, c'est bien. Who shakes the world. Encore là, vous. Oui. J'aurais dû délayer un tour, j'ai été trop... trop grid. Trop grid. Franchement, ouais, c'est risqué. Hein. Ah, quoique. Ah, quoique, je sais pas, en fait. Ouais, je peux enlever ça aussi, là, en vrai. Économiser des points de vie, c'est toujours bon. Je prends l'info aussi. Ok, bon, il n'y avait pas de Krasis, donc c'était ma cible préférentielle. L'autre Vraska. Et une Guide de Goose. C'est le 24, Obito. Comment ? Non, Obito demandait quand est-ce que le bal est effectif, c'est le 24. Ouais, le 24 sur Arena. En fait, j'aime bien essayer de setup un board de Planeswalker avant de te donner une Vraska qualitative. C'est-à-dire que là, j'avais le choix entre bête de quête et Vraska, et si je mets bête de quête dans ce tour, t'as une Vraska qui me met plutôt mal, alors que si je la mets le prochain tour, je continue à faire tourner Vraska. Je sais pas si le raisonnement est bon, mais c'est comme ça que je... Non, moi, j'ai tendance à faire ça aussi si je sens que l'agression n'est pas nécessaire, en fait. Tu vois, de me faire passer de 17 ouais. à 13, c'est nul. C'est ça, et c'est même pas qu'elle est pas nécessaire, c'est que vraiment sur Vras, je me retrouve cul nu, alors que là, je me retrouve en caleçon. Mmh. Je préfère être en caleçon. Surtout quand bah il déjà, fait froid. Déjà, t'as moins froid, voilà. Voilà, donc... En plus, t'es pas ban Twitch, c'est vrai. Je suis bien d'accord, la recette et la cuisine. Un peu grid d'activer les capacités tes Planeswalker plus tard. Ouais, c'était juste mal joué. Il fallait d'abord faire un token 3-3 avec mon Oko pour ne pas te rendre la priorité. C'est juste pas bien joué. C'est pas bien ce que je fais, voilà. Oh oui, c'était juste mal joué, mais je suis un peu dissipé par le chat et par ma fatigue. Sipé par le chat oui, et par ma fatigue. C'était effectivement mal joué parce que là c'est 3 points de moins et un peu moins de board présence, quoi. Mais bon, ça après, ça sera résolu quand il faudra bien jouer, je serai là. Wow. Exactement, Siegfried. Heureusement qu'on pioche bien pour attraper les boulettes. Son ulti est meilleur, mais c'est un peu trop lent, Garruk. Je vais la rentrer contre les match-up où j'ai un peu envie de grind. Et il y aura plein d'autres match-up où j'aurai juste envie d'avoir un play actif au tour 4 rapide. Et Vraska répond mieux à ça. En fait, Vraska est plus polyvalente que Garruk. Puis elle tue Oko, surtout. C'est très, très important de tuer Oko. Vraska et Nissa, je peux pas gérer puisque tu fais ulti et tous les tours faut que je gère un attaquant et t'en as un autre dans la main. Donc, depuis que Field of the Dead est ban, franchement, Vraska c'est une vraie candidate. C'est genre pas gérer, c'est win en fait, sans que t'aies besoin de rien faire en fait. T'as même pas besoin d'établir de la pression quoi. Donc ça te permet justement de pouvoir tuer en gardant de la ressource dans la main et pas mettre tout ton board dans une Vraska.
Elle est pas mal cette Vraska en vrai. Par contre, l'argument en faveur de Garouk au-dessus de Lilianna, il n'est pas vraiment pertinent. Je suis pas encore fixé sur quel est le meilleur des deux drop 6, effectivement, Siegfried. Là, je vois, j'ai 9 sources de bleu, sans compter les 4 faiblés de passage. Ouais, compte-les, hein. C'est. Bah, du coup, ça me fait passer à 13, mais ça 13 et reste dur 14 qu'on en avec un cas 7. seulement 13. Du coup, on est loin des Il faut que tu 18. comptes tes. Comment? On est loin des Ouais, mais si. 18. Ouais, si t'es à 14, c'est bon, hein. Les anciens experts contrôle, ils jouaient pas 18 sources de rouge, hein. En fait, là, je regarde la liste, et s'il n'y avait pas effacement des pensées, je pense que j'aurais juste cut le bleu. En fait, dans le tableau de Frank Carsten, tu as ton truc idéal qui est à 18, mais après, tu as un seuil où qu'il ne faut pas descendre. Et le seuil minimal, il est à 12 ou 14. Ça ne veut pas dire que c'est l'optimal, mais c'est le minimal où ça reste statistiquement décent de jouer ta Narset. Et De en bleu, hein, gros, pas je de pense qu'à rouge. 14 de bleu, comment? Ouais, j'ai dit les sources de rouge, mais c'est source de bleu. Je pense que tes 14 sources de bleu, elles sont bien, mais il faut que tu rentres un Castle Ventress et que tu prennes en compte les fabuleux passages, quoi. Bah, même si je les prends en compte, je suis à 14. Je suis à 13, pardon, Ouais, mais et 14 si je rentre un château. ouais, c'est ce que je dis. En gros, 18, c'est l'ulti, mais il doit y avoir. En fait, c'est le seuil minimal qui compte. Mais est-ce que le bleu est vraiment relevant là? Ah, tu veux jouer Hearts of Control? Ah, tu vas prendre l'enfer, hein. Le truc, c'est que Narset, là, je la fais pas souvent, mais sans parler de ces games-là, en général, je les fais pas souvent, tour 3. Ah, mais Teferi, le dans la bleu méta, t'amène est... beaucoup d'autres choses. Teferi est peu relevant, et forcément, y penser, c'est très bien, mais c'est la seule carte bleue très intéressante. Et dans le side, les voleurs de sanité, je suis pas sûr de la laisser. Unmordigo, suivant la méta, ça peut virer. Et Hunters the Gold Eternal, bah, c'est Non, un one mais slot. Narset, c'est la carte qui fait le lion de ton deck. Si tu joues plus de bleu, tu vas avoir un pack contrôle lourd hors of. Tu vas te faire éclater par tous les decks combo du format. Et Ah, enfin, mais quels sont les decks combo là? Parce que s'il n'y en a pas. Non, mais il y a encore des trucs il y a des mecs qui ont joué Temur Réclamation, il y a enfin je prendrais pas le risque. Franchement, Hearts of pour que une double ou tricolorité ne joue pas bleu en contrôle, il faut vraiment des arguments incroyablement puissants et là Hearts of les Ouais. a pas quoi. Je vais essayer avec un Castle Ventress, mais bon. Rien que Narset, c'est vraiment bien quoi. Castle Ventress, je vais enlever un fabuleux passage du coup, je pense. Ou un swamp. Par contre, Basilica Bellhunt, je me demande par quoi je pourrais le remplacer. Qu'est-ce qui est bien là? On va regarder Trollen Eldraine. En fait, Trollen tu peux le mettre en side pour le rentrer contre les decks aggro et t'en as peut-être pas besoin effectivement en main deck. Eldraine. Je Attends, regarde je vais regarder si. le retour. Je remets le retour, Vas-y, tu me vas-y. fais penser à l'enlever. Yes. Je peux entrer une autre Wrasse, Rimclaw Giant. Ça me fait une Wrasse Non, supplémentaire et ça me fait une si tu joues. 7-7. Si tu joues pas des infections temporelles, il vaut mieux jouer 4 Kaya's Wrath qui arrive tour 4. Hein. Je pense que même 4 Kaya's Wrath, ça a l'air bien. Effectivement, je peux en cut 1 et rajouter une Kaya's Wrasse. Puisqu'il n'y a, y a plus Oko. Ouais. Mortify n'a pas l'air incroyable. Hein. Ah si, il y a une méta Fire qui va revenir. Il y a Fire, il y a Temur Réclamation, et puis au pire, c'est un Tibet pour 3 en instant, donc Ouais, c'est pas ça mauvais. reste Mais bien. peut-être qu'un seul suffit en fait. Peut-être. Lord Horus Rider, ça a l'air quand même très bien. Into the Lock, non, dans mon deck, c'est vraiment pas bien. Enfin, c'est inutile même en fait. Kemister Insight, le problème, c'est que tous les decks qui jouent Narset vont te punir en fait, Azabite. Et t'as pas envie d'être puni et d'avoir un drop 4 dans ta main que tu peux pas jouer, quoi. Donc pas assez bien, malheureusement. Je rate que dans les Rolling cartes to Trundle Dreams. Drain parce que les cartes des éditions précédentes, bah, elles n'étaient pas jouées dans le pack Esper Control à l'époque, donc il y a moins de chances qu'on les voie apparaître maintenant. Ouais. Il vaut mieux commencer par un socle qu'on connaît, une base solide, quitte à l'évoluer petit à petit, mais il faudrait déjà trouver la shell principale, tu vois. Genre là, la version Oko que je teste, en vrai, on sait déjà que ça fera quelque chose parce que la shell principale, c'est la version des joueurs MPL américains au MC5 et la version de Andra Mengucci et Carvalho au MC5. Donc, qu'importe qu'on ait remplacé du blanc par du noir, ce que veut faire le deck, on sait déjà comment ça marche. C'est pas le cas pour Esper, donc. Déjà, faut trouver un socle assez solide. Alors, Drawn into Dream, j'aime pas trop parce que tu joues pas Fire, ça me paraît pas incroyable.
C'est vrai que ça bypass les Narset, ouais, mais je sais pas, je suis pas persuadé que t'aies le temps. Franchement, le méta te laisse pas le temps de faire ça. En vrai, ça paraît super rapide le méta Ah bah là. Oko, c'est bien ça. Est-ce qu'on a toujours besoin de Out of Kaya dans ce format? Bah je me dis que les aggros vont Ah, ça peut-être gère les être... Planeswalkers. Puis ça cible Planeswalker, ouais. Ah ouais, un truc qui met 3 points et qui gère du coup les tokens de Oko et de Nissa, c'est toujours bien. Ouais, franchement, je ferais un Esper, Ouais, bah j'ai coté mais un ouais. Basilic Abalone, j'ai mis une Vraz de plus et à voir comment on s'en sort. Ok, bah écoute, je vais en refaire une et après je passerai sur Esper Doom, voir un peu ce que ça donne, le match-up. Vas-y, vas-y, ouais, carrément, Allez. carrément, carrément. J'ai augmenté mes sources de bleu, donc... Mets-toi commençant. Ouais, c'est vrai que j'ai... Faut que tu me mettes du coup en... J'ai commencé, Ouais, t'as c'est cut le bon, je t'ai retour? mis à... ouais, ah, pardon, non, je l'ai pas cut, bien joué. C'est bon. On va voir. Enchantement qui fait drain quand les créas attaquent. Bah, ça c'était fort quand il y avait Golos potentiellement et encore c'était un peu léger à cause des Teferi. Et là, qu'il n'y a pas Oko, en fait il va pas m'attaquer avec 30 créatures, il va m'attaquer avec 2-3 bêtes qui sont très fortes en midrange. Du coup, même si je réduis les points de dégâts de par 3 par tour, je vais quand même rapidement mourir malheureusement. Et puis Une ça sera shell plutôt du défaut side. surveille, ça paraît trop lent en fait, Jelua. Si tu fais ça, c'est au détriment des réponses spécifiques contre Oko. Et vraiment, n'en doutez pas, Oko va devenir le deck tier 1 du format. Donc, si tu prends pas en compte le deck tier 1 du format, tu vas perdre. À moins de faire des choses beaucoup plus puissantes que lui. Et dans ce cas-là, t'as pas besoin de le prendre en compte. Genre Temur Réclamation, par exemple. Ou Bant Ramp, mais vraiment très ramp. Et là, dans ce cas, tu te fiches de ce que fait ton adversaire parce que c'est toi qui fais le jeu. Mais si tu joues un deck contrôle qui veut réagir avec de la défausse, tu vas pas faire des choses assez puissantes pour ne pas réagir à Oko. Telle est un petit peu la Black Lance par problématique. Rangon, ouais, je l'ai vu, je me suis dit, hey, c'est pas mal, c'est une 3-1 flash, mais non. Ça va être un peu trop frais là, malheureusement. Combien j'ai de Planeswalkers? J'en ai 10, je crois. 10 Planeswalkers main deck. Et 11 avec le side. Peut-être du coup Azorius que je testais avant, eh bien, sinon. Si effectivement c'est trop instable, Esper ou. Tu t'enlèves toutes les réponses à base de Noxious Grasp et Cavalière Meurtrière qui sont les réponses spécifiques de Oko. C'est ça le problème. Il y a plein de problèmes dans Esper quand même, hein. C'est pas facile de trouver la bonne Ouais. version. Peut-être que la bonne version c'est Esper Stax, hein. Moi j'y crois pas à des masses, mais je connais assez peu le paquet à vrai dire donc. Sorcerer Spyglass main deck, ouais, c'est pas mal aussi. Ah, mais là, quand t'as un Lop Rouge, si tu joues Spyglass main deck, tu prends les aggros, mais dans la trogne, tellement fort. C'est ça le problème aussi, quoi. Le meilleur play, c'est d'avoir des cartes polyvalentes qui répondent à tout. Il faut juste trouver le bon nombre de toutes ces cartes. Toi, typiquement, avoir des Aether Gust main deck, ça me paraît déjà vachement mieux. Ou Noxious Grasp, encore mieux. Ouais, après Aether Gust, tu toucheras beaucoup plus de cartes dans le format que Noxious Grasp, non? Parce que tu touches aussi les decks rouges avec ce que Noxious Grasp fait pas en fait. Ouais, c'est vrai. Ah, j'en ai pas dans le Mais side d'ailleurs, Aether Ghost. attends, c'est pas mal du tout hein, aussi un hein, Noxious Grasp main deck. C'est pas bête non plus. Hein. Peut-être pas beaucoup, tu vois, genre un, mais tu peux faire la diff quoi. Un bon tour ça. Hein. On essaye, voilà, on essaye. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Voilà, Isruid. Il faut que j'arrête de mal me tenir sur ma chaise, puisque j'ai déjà bien souffert ce week-end. N'y avait pas d'Azorius Fly non au MC5. Non, non, non. Je pense qu'il devait parler de sa déception de ne pas en voir en fait. J'ai entendu Teferi crier chez toi. C'est vrai qu'il parle fort, hein. On va lui dire de se taire à ce Teferi là. Il est embêtant quand même tout de même.
Ouais, j'aurais peut-être dû optimiser. Mon mana. Bonne réponse. Salut Tef. Ça m'a fait Ouais, un tef super contre plaisir. Nissa, c'est rentable. Ah, tous les jours, je fais ce trade. Bah ouais, il a l'air bien ce trade en vrai. Samedi, Prométhée. Et ce sera en live sur notre chaîne d'ailleurs, Valpé Magic Arena FR. Pas une vidéo, mais un stream Juicy Nets. Le bruit de l'oie, quoi. C'est vraiment un bruit de poulailler, quoi. Un dindon. Ah non, ça laisse pas du tout de temps pour trouver le nouveau deck, effectivement. C'est pour ça que moi je pars sur un deck que je maîtrisais déjà, une shell déjà connue, j'essaye juste de l'adapter au nouveau méta. Je peux pas prendre le temps de trouver un autre truc, quoi. Salut vous. Outsider. Ouais, peut-être qu'il faut jouer Grixis en vrai. C'est pas bête ce que je vois sur le chat là. Bah, j'y réfléchissais ouais, hier et ça peut être intéressant. Par contre, Grixis, vous avez les pierres vraies du coup. Ouais, t'es obligé de jouer Rituel dessus. Après, ça suffit contre Okodek, hein. Ça attrape tous les Ouais. lands, les. Ah, ça attrape pas les bêtes de quête quand même, hein. Attention. Après, si t'as assez de réponses à bête de quête en V6, effectivement, t'as pas besoin de meilleur Vraas. Hein. Ouais, peut-être qu'il faut tenter la version Grixis. Du coup, tu peux jouer Fire. Voilà, Grixis Fire, Jeskai Fire. Peut-être que les vrais decks contrôle du format, c'est Jeskai et Grixis, c'est pas Esper. Hein. Ça fait un peu de la peine qu'Esper soit pas un deck du format. Ça me paraît. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire, mais qu'on l'a pas trouvé en fait. Il y a un dosage qu'on n'a pas. Je sais pas trop. Ouais, Afre, c'est pas mal, effectivement. Afre, ça répond très bien au format en Grixis, hein. Ça attrape bien Oko et compagnie. Ça remplacerait. Ouais, ce serait pas mal, en fait. Je le reconnais. Alors. Ouais, tu joues en Grass Rampage, c'est vrai que c'est une super solution. C'est vrai que là, ça peut-être même pas le jouer en Fire, hein. Juste Grixis, ça fait envie, hein. Ça fait envie. Sauvagerie d'Angrat, c'est une très bonne réponse en plus à Oko. Ouais, c'est vraiment vénère, hein. C'est la meilleure réponse à deux mana que tu peux jouer main deck de tout le standard, je pense. Tu veux tuer mon mur de Rose Rider, c'est méchant ça, mais ouais. Ok.
C'est bien vu, ça. On finit à 23h, Prométhée. C'est bien vu, ce petit Iron Scorn, là, qui contre bien le... Bah, qui contre bien le loup, quoi. Ah, j'ai mal joué. Il faut pas que je redescende mon loup ici pour pas mourir sur Vras. Il faut que j'attende d'avoir un food avec mon noix, donc j'aurais dû lander détaper. J'aurais dû lander taper, pardon. Par contre, si je le joue ici et que t'as pas Vras, j'ai gagné le tour d'après. Est-ce que t'entends, ça vaut pas hein. le coup? C'est assez tentant, ouais. Après, est-ce qu'il faut pas sécuriser quand on est bien? Je sais pas trop. Ouais, je prends pas le risque. Je préfère te donner des cavalières. Jumper 59 à la fin du stream, elles seront dispo sur le Discord. Ok. La bonne Vraska, elle fait plaisir pour l'instant. Vraska, pour ce soir-là, dans mes tests, c'est fort validé. Hein. Elle arrive souvent à point nommé, même en late game, elle est ressourceuse. J'aime beaucoup cette Vraska. C'est une belle réponse du stream de ce soir, déjà. Au moins, Vraska, on sait que c'est pas mauvais. Alors, ça répond pas très bien à Liliana dans WoW, mais... Lilianois, effectivement. C'est fini, oui. Est-ce que je survie? Est-ce que tu as ta troisième cavalière? Ouais, bah j'ai deux plaies là. J'ai méchant loup et Nissa qui te tue. Tu veux faire Nissa plus méchant loup? Bah j'ai les deux en fait. Mais l'un ou l'autre te tue. Ah, avec Vraska, ouais. J'attends que tu me le montres, hein, ça se trouve tu bluffes. Ouais, vas-y, attends, je suis en train de payer correctement pour jouer les deux plays dans le tour. Je suis bien sûr Questing Beast, mais j'ai effacement dépensé qui va juste regarder sa main, faire pas grand chose. Et si je passe pas de Redord maintenant, je peux plus la jouer, donc. C'était un peu. Je tentais. S'il avait pas de réponse, ça me permettait d'avoir. Regagné 3 PEV. Regagner 3 PV tour prochain, continuer à faire du board, potentiellement stabiliser, alors que juste me le prendre des points de dégâts là, je pouvais pas revenir quoi. Ouais, t'es obligé de tenter ce play là de toute façon. Et il a généré trop de foot pour que j'arrive à gérer son wolf en plus à temps. C'est pas mauvais, mais Chanlou, je les décide, mais en vrai, en main deck, à la une, je les trouve pas incroyablement mauvais. J'ai pas mieux à enlever pour le coup. Que c'est quand même méchant loup qui s'en va, mais c'est pas horrible pour le coup, je trouve. Même Mendek, c'est pas une carte nulle à Yesh, quoi. Contre Esper. Merci beaucoup, Morandière. On a vécu nous aussi un grand moment de Magic, c'était vraiment incroyable. Merci beaucoup, comment dire. Étonnant ce bruit. Il a Garouk ouais, en side, oui. Oh, ouais, il est en side et il rentre d'ailleurs dans ce match-up là. Désolé, c'est pas moi. Play first. Oula. Toi aussi, tu as eu le bruit histoire, là. Bah ouais. Pourquoi ma bibliothèque s'est remplie comme ça Ouais, moi aussi ça fait le bruit, je sais pas pourquoi. De manière extrêmement agressive.
Incroyable, ouais, on a pété le jeu. Putain, on a pété le jeu, PL, comment on fait? Ah. Waouh. Je sais pas si j'en... Tu sais quoi, à cause du bruit, je suis pas sûr de devoir Mulligan. Mulligan pas. Eh ouais, mais bon, tu vois. C'est tentant, quoi. Oh, ça y est, j'ai faim. J'ai pas mangé ce soir parce que j'ai mangé tard. Je me suis dit, ouais, je mangerai à 23h. J'ai une dalle. Je vous explique même pas le délire. Moi, j'ai mangé tard aussi, ouais, aujourd'hui. J'ai mangé juste avant le stream, en fait. 2h avant le stream, pardon. J'ai une dallasse. Je vais aller me faire une pizza au four. Vous êtes pas prêts. Oh, c'est pas mal, ça. Hein. Ah, c'est bien. C'est très, très bien. Allez, j'ai ce bug sonore avec la brasse du chien. Galère le jeu, qu'est-ce qui se passe là? Tu jouais avant de live? Ouais, un petit peu, mais pas. J'ai pas joué, T'as j'ai pas pas joué joué 5 longtemps. heures quoi. J'ai joué gentillet, donc. C'est les Russes. Encore, hein. Mais tu joues quoi, Val? Je suis au mono noir. Ouais, je commence ah, à le en prendre. fait, Ouais. t'as besoin d'avoir accès très vite à ton double noir pour cavalière, donc voilà. Moi, je Quelle suis est la plutôt situation? passif. Quelle est la situation? Pas du tout, Budley. Bah, on n'est pas sorti dans la rue depuis Budley. Si, je suis C'est vrai, sorti, peut-être que moi. quand je vais aller chercher le pain, je vais signer un autographe par rapport au casse du MC5. On ne sait pas, hein, en vrai. Moi, ouais, je suis sorti, personne ne m'a reconnu. C'est vrai? Ouais, si, c'est juste que tu les as pas vus, t'avais la tête dans Luc. Ah, peut-être aussi. Très agréable, ça. Allez. Ça dégage tout de suite. Ah, effectivement. Et du coup, elle a rien fait. Madou s'est rentré. Ouais, là, je suis en train de gagner en ce moment. On me demande, tu gagnes? Oui, là, ça va. Ouh là là. Voilà. Pour toi, mon loulou. Et merci voilà. Beaucoup à Segaïa, remercie. Il fallait le tuer, là, merci pour les avages en masque. Ah, Segaïa, remercie Val. Merci beaucoup. Ah, j'ai pas vu, désolé. Bah, merci Segaïa. Doute. Comme le mois. Doutage. Comme le mois d'août. Ouais. Ah, il y a quelqu'un dans le chat qui salue Dodo Dodus. J'ai vu ça, ouais, je vous transmettrai là, elle est partie. C'est quand qu'on fait un brunch à la tanière? Bah, je suis pas sûr qu'il y ait des œufs et du lard grillé à la tanière. C'est le tatouf. C'est ce qui fait un bon brunch. En tout cas, aux dernières nouvelles, il n'y en avait pas. Une forêt, donc t'as pas de counter spell, ça c'est bon à savoir. Oh, il est vilain. Eh, je peux me battre, je t'en prie. Ah oui, c'est vrai, mais putain, je suis con, moi, faut que je me réveille. Vu que t'as pas de. Guillet des Legouze. Enfin, vu que t'as de la gestion pendant le Planeswalker Mind Deck qui est mon kill, c'est vrai que c'est quand même dur hein, pour moi. Guildé de Goose. J'ai pas Aïe. Mal de chance par contre, je la fais assez souvent alors que j'en ai qu'une. C'est piquant. Ouais, il faut juste qu'elle me fasse piocher un peu, tranquillement. Je veux le château blanc. Ouais. Ah bah il est là lui.
Château blanc aux yeux bleus. Ok, c'est relou de se prendre Lyanna ici. C'est chiant. Ça arrive, voilà, c'est pas grave. Oui, non, ça va aller. C'était le café qui vous a fait tenir pendant 3 jours. On n'a pas bu de café, Morandière. Je bois jamais de café, moi. Je n'aime point ça. Est-ce qu'il faut que je craque ce token? Je crois pas. Tu pouvais pas. Ah si. Si si, je pouvais pour faire il était une fois, mais. Et en fait, si je top deck un land là, je peux faire un truc mieux, donc. Il faut que je m'ouvre des meilleures portes. En vrai, j'attaque avec les deux là. Je peux pas bloquer son Tacosting Beast. Ouais, ouais, c'est pas faux. Après, tu peux garder des bloqueurs pour d'autres bêtes. Ouais, mais elles seront pas célérités. Et là, j'ai envie de piocher des cartes, donc. Ouais, je réfléchis. Quel bait tu peux me mettre? Est-ce qu'il y a une carte qui donne Death Touch dans ton side? Est-ce qu'il y a un truc qui met 2 points de dégâts? Tu joues pas Disfigure, il me semble pas. Hein. Je joue pas. Bon, je vois pas ce que je risque à bloquer ici. De me faire piocher. Yes. Oh oui, mais je veux dire, qu'est-ce que je risque sur la mort de ma Coasting Beast en fait? Est-ce que t'as top deck? C'est une bonne question. À dire que j'ai pas top deck. Ah. Ok. Et ça c'est bien. Salut Garuk. Salut. C'est comme ça qu'il dit bonjour Garuk. Hein. Je vous jure, c'est pas moi qui ai parlé, c'est lui. Alors, putain, c'est quoi là? C'est Krasis ou c'est Garruk ici? Krasis c'est bien. Hein ouais, Krasis c'est bien, Garruk c'est bien aussi. Krasis c'est bien. Ouais. En fait, si je fais Garruk ici, je suis pas sûr de faire Krasis le tour d'après, alors que si je fais Krasis ici, j'ai de grandes chances de faire Garruk. C'est mon seul argument pour choisir entre l'un ou l'autre. Ce qui est sûrement pas le bon argument, hein, mais là, à cette heure-ci, et avec mon état mental, c'est l'argument qui m'est venu. Ah bah ça m'étonne pas quand t'as l'emprouge, hein. C'est devenu la meilleure carte du standard au co de très très loin. Oh tu m'emmerdes toi. Hein. Je comprends. Eh bah écoute, elle va survivre un peu plus. Allô. Ouh là là. Allô allô. Ah c'est le jeu qui... Ah. Il se passe rien. Ce sont les bonnes pioches tout ça. Mais j'ai l'impression que quand tu joues des packs midrange, Val, tu pioches toujours 5 landes et après que des cartes actives. C'est vraiment là, une impression. J'aurais bien voulu trouver un 6ème land quand même. Après, je te rappelle qu'on joue des paquets avec 8 accélérateurs et 3 il était une fois donc. C'est le jeu qui a voulu qu'on pioche mieux. Ça, pour le coup, faut le dire à Wizard. Ça tombe bien, on est sur leur chaîne. Nice, qui fait trembler le monde. Ah, mais c'est vrai que franchement, quand tu vois après side, je te montrerai la decklist que j'ai contre toi après side. Il n'y a pas une carte qui n'est pas une menace ou qui n'est pas emmerdante. Quoi. Ouais. Ah, je pense effectivement que. Mais peut-être que Grissi est meilleur. Hein. Ouais, faut voir. Hein. Je pense que les shell control vont revenir. C'est juste qu'on n'a pas la bonne formule encore.
Là, on s'offre une petite draw, ça fait plaisir. Ouais, tu vas pouvoir t'en offrir encore un peu derrière. Hein, parce que là, je tue pas ta. Je tue pas ta Lilana, malheureusement. Waouh. C'est puissant. Alors excuse-moi, j'ai pas regardé le soft, t'as bottom les deux ou t'as, ouais. t'as laissé les deux? T'as bottom les deux. Deux beaux landes. D'accord. Intéressant. Je pense que ça serait peut-être un peu trop lent. Esper avec Dovina Cutie comme moteur de pioche, c'est plutôt bien dans les match-up un peu longués et ça va pas assez vite, ça va pas répondre assez bien à Oko, je pense. Je réponds à Valérian sur le chat. Réponds à Valérian sur le chat. Ah, emmerdant ça. Vas-y. Encore une fois, comme t'as pas pris Breeding Pool, je savais que t'avais pas de réponse bleue. Hop. On va piocher 3-4, gagner 3 PV. Ouais, c'est worse, hein. C'est des bons plays, franchement, ça. Franchement, là, cette Lilana qui tourne, cette Lilana qui tourne, c'est relou, hein. Je pense pas que ça sera des bannis Budley, hein. Ils font rarement des débats en standard, hein. Avant la prochaine extension, non, mais à la prochaine extension, par contre, oui. Possible. Il pourrait, mais c'est plutôt rare en tout cas. Pourquoi tu as pas attaqué avec Tanissa? Il me semble avoir attaqué. J'ai pas attaqué, PL? Si, t'as attaqué. Pourquoi pas attaquer avant? J'aurais peut-être dû attaquer avant, mais en fait, il pouvait me bloquer. Ouais, ça changeait pas grand-chose, effectivement, ah, vous avez raison. Ah, c'est toi qui as pas attaqué, excuse-moi. Tu pouvais pas mettre deux points dans Nissa, c'est ça? Ah ouais, tu pouvais mettre deux points ouais, dans Nissa. Excusez-moi, j'étais troublé, pardon. J'ai pas fait fin de tour. Si, je pouvais mettre deux points dans Nissa, mais... Ouais, si, c'était mieux dans tous les cas de faire ça, vous avez raison. Ah bah on va avoir un barbu avec une hache. Ah, oh, même sans le ouais. land, en fait, tu pouvais le faire. C'est pas forcément la prio ici, mais on pourrait voir un barbu avec une hache, ouais. Ça a l'air super cool comme, comme play, là. Ouais, c'est cool, c'est cool. Après, ça rentre très fort dans Elder Spell, tu vois, donc... Je me méfie quand même des trucs qui ont l'air super cool et qui se font empaler sur une seule de tes cartes. Paradise Ruin. On préfère rentrer dans Vras. Ouais, alors tu peux toujours le jouer et mettre 3 points. J'ai plutôt envie de la protéger. Et du coup, tu dois gérer avec Nordavos Rider. Je vais prendre le mana ici. Ouais. Ah pardon, Lilana était à 2, excusez-moi, c'est vrai que ma tête gêne pour les Zarpenter. Ok. Alors si tu finis dans le top 1200 mythique d'Edmine Zer, tu es qualifié pour un WMCQ, un week-end de qualification Magic Arena, qui a lieu tous les 2 ou 3 mois je crois, tous les 3 mois à peu près. Tous les 3 mois il me semble, ouais. Et là c'est un tournoi qui se déroule sur le samedi dimanche, si tu fais top 128 en gros du samedi, tu joues le dimanche, et si tu fais top 16 du dimanche,
tu gagnes le. Tu participes à un Mythic Championship sur Arena. Eh bien, c'est gros ça! Piocher plein de cartes. Ouais. Tika seul ventresse qui tourne là, ça fait yesh, hein. Ça fait pas plaisir en tout cas. Bah toi ça doit te faire plaisir pour le coup. C'est jusqu'à quand pour se qualifier du coup? Là, je crois que tu as encore 3 mois là. Le qualifieur de ce week-end, tu peux pas t'y qualifier. Parce qu'il fallait se qualifier les 3 mois précédents. Mais là, toutes les saisons, le 30 du mois ou 31 du mois, si t'es 1200 dans le top mythique, tu concours pour le tournoi 3 mois plus tard. Donc n'importe quelle saison est qualificatrice. Ouais, c'est sûr que jouer contrôle de toute façon avec des decks aussi forts, aussi midrange que Oko, effectivement, il va falloir jouer très très bien, Johan Rorok, c'est sûr. Mais bon, ça après, quand tu connais ton match-up par cœur, c'est presque tu récites une table après, tu vois. Genre au début, battre Golos, c'était difficile. À la fin, quand tu l'as fait 15, 20, 30 fois, tu fais tout le temps les mêmes plays, tout le temps les mêmes setups et ça va. Pas du niveau des joueurs MPL, mais ça passe, quoi. Mais ça, c'est chiant, ça. Hein. Quand même. Hein. Enfin, moi, ça me fait pas plaisir, quoi. C'est un bel Elder Spell, là, qui part. Hein. Bah, Oko deck, Gorgor Bull, hein, de très très loin, je pense. Je pense que là, le deck to beat, c'est Oko. Et maintenant, tout le monde va essayer de battre Oko. J'avais un doute sur le ciblage, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas trompé. Pourquoi tu veux mon Planeswalker? Ah putain. C'était pour le protéger du Breeding Pool, mais il y a les Paradise Druids en fait qui font la même chose. En fait, dans ma tête, c'était des 0-2. J'ai confondu avec les oies. Excusez-nous, hein, on fait les misplays, on est un petit peu fatigué là de ce week-end. Pourtant, on devrait mieux jouer puisqu'on a vu des pros jouer tout le week-end, mais. Par contre, tout à l'heure sur le ladder, vraiment, hein, pas pour faire le mec, regardez les MCQ, c'est bien, vous allez vous améliorer. Je me Ouais, j'ai suis vu vu faire ça. des plays, considérer des plays que j'ai vus ce week-end, qui ont été extrêmement forts, tu vois. Genre, par exemple, j'ai rencontré un Gruul et j'ai fait le play justement de poser mon loup et de pas le faire se battre. Et je tenais en respect sa questing beast en n'ayant pas besoin d'engager mon loup, de Là, tu sacrifier peux mon valider full. les attaquants. Et j'étais dans une position très très bonne, alors que c'est un play qui n'était pas intuitif de base et que j'ai vu parce que Nassif l'a fait, quoi. Donc, Putain, on pioche bien. en gros, ouais, regardez les pros, c'est bien quoi. Ah, le Veilleux mort avec Thomas là, bien joué. Yes, il était là pour clore. Bah, je pense que les shells Oko sont vraiment vraiment très fortes. Va falloir se donner pour les battre. Hein. Ouais, mais en fait, c'est tout ce qu'il y a autour là, parce que Oko, typiquement, on l'a pas vu de la game là, mais. Oui, c'est toute la shell qu'il y a autour de la carte, quoi. Ouais, non, mais j'ai mal réfléchi. Murena, j'ai mis parce que dans ma tête, les druides ne pouvaient pas attaquer, donc je voulais mettre mon Ugin hors de portée en fait de son 3-3. Et ça me permettait tous les tours d'avoir une 2-2 de piocher des cartes, mais voilà. Et écoute, on peut tenter ton contre Esper Stacks, du coup, voir ce qu'il vaut le deck. Ah bah je suis chaud, vas-y, avec Hop plaisir. là. Hop, Esper Duo. Ouais, du coup, on fait tirage aléatoire Ouais. contre. Attends. Esper Allez, c'est Doom, parti. c'est le deck qui joue Doom Foretold, Fatalité Prédite, qui permet de. Non, c'est pas intéressant les artefacts Kalix Lac, parce qu'il y a Oko. Donc tous les artefacts, en fait, sont. À moins qu'ils soient Gamebreaker, sont pas possibles, pas considérables. À moins de les jouer x4, et encore. Ouais, donc c'est un deck qui se base sur la combo Doom Foretold pour obliger ton adversaire à sacrifier, à ne plus pouvoir poser de cartes. Et Dance of the Mence, Danse du Manoir, je crois, en français. Qui permet de.
mince, de réanimer tous les enchantements et artefacts de ton cimetière. Enfin, autant que tu payes à X. Et si X est égal à 6, en plus, tout ce que tu réanimes est une 4-4. Alors, c'est à partir de 100% que tu as un nombre classé. Quand tu passes, donc tu vas monter de 93, 94, 95. D'ailleurs, si tu pop 93, c'est que tu as eu un... Déjà, ou que tu es en fin de mois, alors que ton winrate n'était pas très élevé. Si tu as un gros winrate, tu vas popper dans les 200, dans les 300, dans les 400 sur ta montée. Et puis après, pour raccrocher et rentrer dans le top 1200, il faut passer au-dessus des 100%. Tu vas monter de 93, 94, 95 jusqu'à 100. Et généralement, tu passes de 99 à 1100, un truc comme ça, Fall Game. Comme ça que ça marche. 99% à 1100. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit quoi ? T'as dit de 99 à 1100. Donc ça, bah, tu ça. Pouvais passer. Ouais, mais de 99%. Ah oui, non, pardon. Ouais, je dis des... pas 99%. Sinon, tu redescends. Tu tombes. Ouais. Si t'es trop fort, tu redeviens. Il faut monter à 100% et après, tu décrois de 1200 jusqu'à top 1 mythique. Quoi. Est-ce que tu me fais au contour 2 comme un. Un bon, joueur, un bon joueur. Non. Merci beaucoup à Thomas Rosset pour le don, apparemment, qui vient de pop. Merci que vous n'avez pas vu. Ce MU a l'air difficile pour l'instant pour Esper. En tout cas, après Side, à la une, je dirais que c'est plutôt pas mal pour Esper. Mais après Side, c'est quand même très difficile avec les bottes dédaigneuses, l'éveil et tout. Salut, Sliver. J'ai 24 terrains, vraiment c'est la shell ramp classique de la team Mengucci, enfin pas la shell ramp, la shell bante classique de la team Mengucci, mais avec du noir à la place du blanc. C'est la liste de base que je vais travailler. Okay. Ah d'accord, quand t'es monté, t'es passé de 300 à 98%, d'accord. Ouais, t'as popé 300. Et après, t'es redescendu. Ah, t'as pas trouvé de land. Bah, ça fait deux fois que je loupe un land là, donc ça... Ouais, un peu relou. Ça fait beaucoup. Ouais, ça a pas donné des tests. Ah, si t'as commencé, j'ai loupé qu'un land drop, mais par contre j'aurais pas pioché alors que j'ai pioché deux fois. Ouais, c'est dommage, ça va pas être méga. Ouais, après là j'avais pas grand chose à faire non plus avec un troisième land. Non, mais c'est que ça décale tous tes plays d'un tour. Tel est le sous-sail. Ouais, bon, j'en trouve toujours pas. Ça joue combien de landes, les versions de Esper Doom ? Ça joue au moins 25 landes, donc... Non mais de toute façon, même si j'en joue 23, j'en trouve pas 3 au tour 3, là c'est pas la chance, quoi. Johan Rorock, effectivement, je peux plus 2 sur un foot, c'est un play que j'ai fait plusieurs fois dans la soirée. Le problème là, c'est que si je faisais plus 2 sur ce foot, je perdais le mana avec la gouze et je préférais me développer en mana. C'est pour ça que du coup, j'ai pris le parti de pas le faire. On va faire comme ça... Je sais pas si le match-up est exactement le même. Je sais pas si je dois sider de la même manière pour le coup. Je suis pas certain. Alors typiquement, Garruk a l'air un peu naze ici. Ouais, je pense que le match-up est pas exactement le même. C'est pas exactement le même, ouais. Je pense qu'il faut pas que je considère Garruk. Ça bouge pas trop mon side, mais en tout cas, Garruk, lui, il va rester au repos. J'ai envie tout le temps de décider les Teferi maintenant, mais genre tout virer, quoi. Bonne nuit, Newmir. Ok. Si les gens cherchent à jouer contrôle, Simic Flash, il est menacé. Hein. On va pas en voir beaucoup plus parce qu'il y a eu le ban de Field of the Dead. En tout cas, pour l'instant, tant que le méta est pas défini... Ça paraît pas être un très très bon archétype. Je sais pas si comment ça se fait que tu en rencontres beaucoup, Nachum, mais c'est pas censé en tout cas. Et je les ai pas, Nergul. Effectivement, c'est probablement
Ah. On va faire un vrai BO parce que là j'ai les Mulligan à 5, en Mulligan à 6 j'avais 0 land. Donc okay. On va éviter de faire une non-game, on va refaire ça. Ouais, probablement que les du reste pourraient être bien pour ce FMU Nurgle, tu as raison, mais je les ai pas encore mises dans le main deck. Dans le side, pardon. Le ban de field sera actif à partir de la mise à jour sur Arena le 24 octobre. Ah, d'ailleurs, ça passe vite, 3 heures, hein, quand on fait. Quand on fait full Ross, ouais, carrément, ouais. Quand on fait 10 heures de stream la veille, j'allais dire, mais ouais. Effectivement, quand on se fait rosser aussi. Non, quand on se full rose tous les deux. Ah ouais, ok. Là, je me suis fait rosser en début de stream, moi. Pour le coup. Ok, ouais, quand c'est tu bon. Fais que jouer, lancer des games et tout, ça passe super vite. Hein. Une main qui joue. Qui fait des trucs. On va gagner du temps. Arias dit qu'il est à 24 dans ses versions de Esper Stack, c'est que c'est peut-être un peu, que c'est peut-être peu. Faut regarder si t'es aussi à 24. Je vais regarder, ouais. Ah, désolé, j'ai choisi, mais c'est le jeu qui a du mal. Ou peut-être mon PC, mais. J'ai économisé mon PC aujourd'hui, justement, pour être qu'il soit en forme ce soir. Ouais, je trouve que le jeu a mal, moi, en tout cas, de mon côté, ouais. Ok, on va prendre ça. De toute façon, dans 3 jours, il y a une mise à jour pour corriger pas mal de trucs. Donc. C'est une question de jour maintenant. Ouais, c'est vrai que Doom joue pas mal de fixeurs. Je connais tellement mal la version que j'ai pas d'idée arrêtée sur le nombre de landes qu'il faudrait. Ouais. En fait, faut piocher tes landes. Après les couleurs, t'as jamais de problème, mais. Je vais te couper ça. Les couleurs avec les Guild Globes ou les œufs dorés, bah, ça te permet de les sacrifier pour faire les couleurs que dont tu as besoin potentiellement. Mais sinon c'est un peu chaud, ouais. Oh. Non mais ça va le faire à quoi s'il reste 30 minutes de stream. Oui. Il n'y a pas de problème là, les bécanes vont continuer à tourner. Hein. Ça va le faire. Parce qu'on se rose trop fort, ouais, c'est peut-être ça. Ouais. C'est pas les grosses sorties là. Ok. C'est minimum 25 land, on me dit, pour Esper Stacks. Ouais, bah faudra voir. Et tu peux pas, Freduke, faire Oko plus 1 sur Fatalité Prédite, ça prend pas les enchantements, ça prend que les artefacts ou les créatures. Ah sinon, je pense que Esper Stacks n'existerait même pas. S'il te suffisait d'avoir Oko qui tourne sur le board pour gagner... Non, ça marche pas malheureusement. Je dis malheureusement parce que j'espère battre Esper Stacks, donc... Ah mais si tu bats tout le monde, ça va pas te faire plaisir, je pense. Bah de toute façon moi je m'attendais à un autre ban que celui qu'on a eu, donc j'ai quand même l'impression qu'Oko va battre tout le monde et longtemps, donc Après ouais, Oko est assez fort, mais... J'espère qu'il y aura match. Ouais. Bah ouais, si Stack se popularise, Tamio va devenir de rigueur dans les sides Arias carrément. Après normalement... Mais Tamio était déjà dans certains sides, hein, donc Bah quand t'espères tourner, mais c'est tout. Quand Esper Stacks tournait, après elle a disparu quoi. Oui bien sûr, mais vu que là maintenant il peut être viable once again. Ouais, faudrait y repenser quoi. Après si ton plan de jeu c'est aggro disruption avec botte dédaigneuse, est-ce que t'as besoin de passer par Tamio, je sais pas. J'avais abandonné Simic Meul, mais quoique non, il était fort contre Oko mais pas fort contre les mid, donc il est pas plus fort maintenant. On va utiliser les multiples. Hein. Non, si tu craftes 4 champs des morts, ils te seront remboursés que si tu les as craftés avant le 10 ban. Donc les crafte pas maintenant. Si tu les as pas craftés avant, faut pas les crafter maintenant.
Alors je crois que c'est avant la mise à jour, donc si tu les craftes maintenant, ils seront remboursés quand même, mais je voudrais pas me tromper. Ah, c'est avant la mise à jour, t'es sûr? C'est pas avant le ban? De ce que j'ai compris, c'est tous ceux qui possèdent dans leur collection des champs des morts avant la mise à jour le 24, sur leur compte, ils seront crédités de autant de rares white cards. Je voulais D'accord, pas c'est bête me parce que tromper. ça popularise encore plus le deck du coup sur le ladder, et ceux qui testent pour le MCQW, franchement ça va être un laboratoire d'expérimentation ce MCQW, je suis vraiment dégoûté. Le seul où j'ai le temps de me qualifier, c'est le Cirque Pinder, quoi. Vraiment, je suis dégoûté. Non mais c'est vrai quand même, enfin. Ah ouais, c'est clairement ça. Donc c'est dommage, quoi. Au moins que tu puisses pas craft Golos gratuitement les 5 derniers jours, quoi. Alors, faut que je me défausse d'une petite carte ici. C'est fort, hein, ce que je fais. Bah, quand tu passeras Dance of the Mains, ça sera fort, ouais. Tu vas te retrouver un petit peu le nez dans l'eau. Ouais. Ah, il y en a plein de ça. C'est important. Alors en vrai, c'est pas trop grave, mais c'est vrai que c'est pas les meilleures conditions pour préparer un qualifier. Après, on est tous dans Dans la panade. la même situation, donc du coup, il y a pas de gens qui sont plus mal lotis que d'autres, hein. Il faut quand même le voir que là, je râle pour pas grand-chose, parce qu'effectivement, on est tous dans le même bordel. C'est pas comme si ça avantageait certaines personnes et pas d'autres, pour le coup. Mais c'est dommage. C'est dommage que le ladder va pulluler de golos et que du coup, bah, tu vas être obligé de t'entraîner contre des gens, en fait. Alors, certes, c'est possible, mais c'est pas évident. Ouais, je crois que j'ai perdu cette game pour le coup. Il faut vérifier, Kouza. Si, non, il te le rembourse, c'est sûr. Après, est-ce que tu peux le crafter après l'annonce du ban et avant la mage? Il faut vérifier. Ah, normalement, vu qu'il y a le format historique, tu es censé pouvoir le crafter, ouais. Ok. Après, s'il n'y a plus le format historique, peut-être que. Quoique si, parce qu'il reste valable en standard, même s'il est banni. C'est pas dit qu'il puisse pas être joué plus tard. Donc, normalement, il peut être crafté. Hop là. Non mais bien sûr, Siegfried, je sais bien. Hein. Est-ce qu'on Once peut upon a trouver time. ici? Ouais. Putain, Once Upon a Time, ça prend pas plein de Planeswalker. bonnes cartes. Hein. Je viens de le voir, ça prend pas vraiment plein de très bonnes cartes. Peut-être qu'en Sultai. Quoique non, ça va chercher Murderous Riders, trop bien. Ouais, t'as le même problème en bande, hein, de toute façon. Les bonnes cartes que j'ai pas trouvées là, je les aurais pas trouvées dans les autres couleurs, malheureusement. Ouais, mais tu jouais peut-être les plus de Planeswalker. Non, je joue deux Vraska 4 plus, c'est tout. C'est un peu chiant comme gameplay là. Ouais, j'avoue, C'est mais présent donc c'est un gameplay forcément. gagnant pour toi. Est-ce qu'on tue une, deux, trois? Bah, je crois, ouais, juste parce qu'elle te fait gagner des pèves. Et que de toute façon tu me tueras pas avec des planeswalkers, donc faut bien que je trouve des cibles, quoi. Pas faux. On va dire que c'était une cible. Ok, tiers. Bon.
Ah non, mais la bonne solution, c'est la solution de Wizard d'avoir banni Field of the Dead. Ils savent ce qu'ils font. Hein. Et en vrai, là, on est tous en train de tester un nouveau méta, de voir de nouvelles choses. Donc, on ne sait pas, on n'a pas encore la réponse. Moi, c'est plutôt le côté 5 jours avant le qualifier qui me pose problème. C'est pas tant le ban en soi. Car le ban, on est déjà en train de s'adapter. Quoi. On teste des nouveaux trucs. C'est le laps de temps entre les échéances compétitives qui arrivent. Même si on n'a pas de vraies prétentions compétitives, c'est se prêter au jeu de manière sérieuse, c'est quand même intéressant. J'ai entendu le nombre de clics et je vais concéder. GG. Je piochais deux cartes, tu sacrifiais ton loup. Ouais, c'était fini. T'étais pas bien. Bah, dès que tu trouvais Dance of the Months, depuis 5-6 tours, je suis en mode j'ai perdu dès qu'il le trouve. Et... Tu te mets à 45 degrés comme ça, tu t'engages en fait. Ouais, c'était fini de tôt. Quoi. Alors, ça s'en va. Par contre, le sel est à retravailler, hein. Il n'y a aucune emprise délétère, c'est dramatique. Et il savait pas Coco, c'était bien. Ouais. Après, en vrai, Esper Stax était censé naturellement battre correctement Oko. Donc, est-ce que tu as besoin d'emprise délétère? Je sais pas. C'est toujours c'était bien, ce qui écoute, était vendu à l'époque. Après, c'était pas les versions de Oko actuelles. Hein. Ouais, je sais, t'as tout buzz l'histoire des box avant le CDF. Ouais. Merci beaucoup, Choulouku. Là, on est en train là, de tester un peu. On teste cette nouvelle méta qui a l'air fort sympa. Et qui a l'air Oko forte aussi. Ouais. Allez, let's go to Oko. Hein. C'est un peu l'histoire là. Bon, cette main, elle peut faire des trucs en vrai. Hein. On va quand même la garder. Hein. Ou la t'endors pas. Non, non. Ah, c'est un mélange de fatigue, mais surtout de faim. Rythme complètement décalé. Là, c'est mon repas du soir que je devrais pas tarder à manger. Ici, on va aller chercher une forêt. Ouh là là, mon jeu galère un petit peu. Désolé hein, pour le temps. Après, il y a peut-être aussi beaucoup de gens sur le jeu, hein, puisque après l'annonce, je pense que les gens se ruent un petit peu pour tester. Ouais, même après le MC5. Oula. Après le MC5. Putain. Quoi J'ai mis ce clic parce que tu sais, mon jeu galérait, donc je cliquais plusieurs fois. Ah. Et ça automatiquement pique une carte. Que tu voulais pas. Sur Once Upon a Time. C'était pas celle que tu voulais? Bah, en fait, je sais pas ce qu'il y avait comme proposition à côté. Donc, du coup, ça m'a piqué une forêt. J'ai pas vu ce qu'il y avait d'autre. Ouais, du coup, ouais, les decks testent aussi. Les decks, pardon. Les joueurs testent aussi après le MC5, c'est cool. Non, il y a un thème. Oui, on s'affronte avec PL et on teste les nouvelles decks les nouveaux decks du méta. Depuis la banlist, en fait. Comme ce soir, on a appris le ban de Field of the Dead. On teste une version Sultai de Oko pour battre les miroirs. Et, quel enfer. Et lui teste Esper Control. Ah bah oui, effacement des pensées et battu par double Oko, ouais. C'est bien, je peux mettre au cimetière, c'est quand même bien. Roko Sama. On te dit dans le chat que tu es malin. Malin de piocher des Oko. Exactement, mais c'était fait exprès. Hein. Ah, par contre, Allez, ça, je l'ai pas gère. Esquivé celui-là. Ah, je gère tous les Oko. Ouais, je l'ai pas esquivé celui-là, malheureusement. J'aurais bien voulu, hein, mais je n'ai pas réussi. Ouh là là, ce jeu-là qui commence à me. À te caquer dans le bec. Un petit peu quand même. Il a fait caca dans son ben. On me dit que j'ai pris le meilleur terrain, quand bien même je n'ai pas fait exprès, donc tant mieux. Mais la forêt, c'est le meilleur land.
Allez, le bait. Mon petit Zozio, tranquille, s'il te plaît. C'est le bait qui part, ça me fait plaisir. Ah, bait ou pas bait, j'ai pas trop le choix. De toute façon, je suis obligé de rentrer dedans en vrai. Donc, ouais. Ah, vous êtes là, vous. Ok. Il faudrait trouver le quatrième mana ici, serait bien. Ouais. Ça c'est chiant. Réflexion. Action, réflexion. Allez, ça dégage. Ouais. Je suis désolé, c'est Gaïa. Ah, c'est fort ça. Ouais, pas des masses, hein. Je suis bien quand même. Ça va. Ça prend Vraz, donc c'est pas non plus incroyable, quoi. Fatalité prédite, ouais. Le mana Daniel. Plus que deux cartes dans ta main. Si t'avais Vras le tour d'avant, tu l'aurais fait. Bah, on va la jouer comme ça. Je crois que c'est bien pioché ça, Pierre-Louis. Tu viens de la trouver. Comme quoi? Non. Ah bah oui, t'as trouvé Dance of the Mans. Ah non, non plus. Oh, t'avais plein de trucs qui te mettaient archi bien en vrai. Espère exotique. Qu'est-ce que tu me proposes d'autre? Un savant play. Ah, c'est létal, bien joué. Yes. T'as avec deux cartes en main. Propre. Pas facile. Ah, si tu trouvais Dance of the Mans dans ce spot, j'avais perdu. Bah, c'était pas des créas, donc en fait. Je faisais... Ah, ici, c'était pas des créas. Ah, faut le faire à 8, faut le faire à x égale 6. Ouais, donc j'aurais draw 2 ah, et, moi, et t'aurais gagné. Je tourne autour de tes 6 mana, mais en fait, non, c'est... il en faut 8 pour que tu sois vraiment ok. Bah, tu vois, je dis des bêtises. Ok, je revois mon jugement. Ok, on va voir. Le side, est, je l'ai vu là, je ne l'ai pas modifié depuis l'époque. Il n'est pas adapté à. Ouais, il faut le réadapter à l'époque. Méta. Ça, c'est vraiment au side que tu vois qu'un deck est vieux. Ah, bah, carrément. Parce que le main deck peut toujours faire un truc, mais le side. Ouais, en plus, toi, le main deck, c'est aux gens de s'adapter à toi. Toi, tu proposes un truc puissant. En vrai, t'es pas vraiment un deck réactif. Hein. T'es réactif juste pour faire Vras et continuer ton plan de jeu, en fait. C'est les gens qui doivent s'adapter à toi. Par contre, c'est vrai que le side, lui, il a pas l'air d'être trop prêt à ce que les gens veulent te faire, quoi. Ouais, on a vu que ça c'est pas incroyable non plus.
Oh, mais je te jure, le soft galère, c'est un truc de fou. Bah, à chaque fois qu'il doit mélanger bibliothèque ou quoi, c'est là où il a le plus de mal. C'est bien trouvé, ça. C'est fort bien trouvé. Ok. Doit être intéressant ce match-up, tu vois. Est-ce que je fais le play safe? Je crois que le meilleur play ici, c'est ça. Ouais, c'est un bon play, effectivement. Ah! Fou! C'est un play tout à fait décent. Je n'en peux plus de ces deux pignoufs. Oh mon dieu. Et c'est bien. Oui, c'est pas mal. Hein. Tu as bien fait quoi. Si tu l'as trouvé, t'es le pire. Ça va. Alors, Mengucci un peu, mais pas Mengucci quand même. T'as payé 2 points de vie, je sais pas pourquoi. Ah, pour garder ton food, ouais. Bah ouais, je veux pas le donner quand je peux éviter. C'est pas faux. C'est côtelette que vous comprenez pas. Je vais ça. J'ai une seule règle dans Kaamelott, c'est celle-là. Mais c'est bien, c'est la meilleure. Elle est sympa, ouais. Bah en vrai, comme j'ai pas comparaison, je sais pas, hein, mais. Mais écoute, elle m'avait l'air sympathique. Si tu sacrifies un truc, tu peux pas l'utiliser en réponse, Kishin. Si tu décides de sacrifier, t'as pas de moment pour répondre et faire l'effet de la carte. Ah bah de rien, la recette et la cuisine, hein. Papis, c'est incroyable. Hein. Bah, Papis d'ailleurs doit être majeur, on le dit assez souvent, mais Papis a grandi. Puisqu'il ne se met plus sur les réseaux. Alors si tu fais ça, tu vas chercher un truc et moi aussi, c'est ça? Non, tu me le donnes après pour que moi aussi j'aille chercher un truc. Ouais. Et après je te le redonne. Ah c'est relou quand même, parce que toi tu vas chercher 2 cartes combo. Et moi je vais en chercher qu'une, c'est ça l'idée. C'est rigodrôle. Je suis pas assez intelligent là pour outplay grâce à ce talisman. Je t'avoue que j'étais en train de réfléchir à quelles étaient tes options et mes options et j'étais là en mode ouais je réfléchirai à ça demain. Bah surtout t'as des options de réponse et moi j'ai plus des options d'attaque entre guillemets. De développement de mon plan de jeu. Ouais non mais ça avait l'air chiant, hein, je conçois. J'aurais pas voulu réfléchir à ta place là. Ça tombe bien, j'en ai pas besoin. On prend les petits 4 points, tranquillou. Crasis. Ok. Bonjour. Salut. Ouais, ne spoilez pas dans le chat. Hein. Bon, j'ai rien vu là, mais ne spoilez pas.
s'il vous plaît. Please. Alors là, si je grid, comme le géant dans Harry Potter. Et c'est je grid son nom ? Ouais. Je grid. Ça peut bien se passer. Il crie ça à Harry à chaque fois. Ah oui, c'est vrai. Hein. Si tu grid et que ça paie, ça se passe bien. Si ça paie pas, si ça, ouais, c'est schmilblick un peu. Si tu grid et que ça paie, ça veut dire qu'on oubliera que t'as grid. Si tu grid et que ça paie pas, on dira que t'as grid. C'est les résultats orientés, ça. En vrai, je crois que je peux faire ça. Harry Grider. S'il a vérifié, tu voudrais vraiment que tu joues des cavaliers des bourrasques dans ton deck, mais je suis pas certain de sa partie. Merci beaucoup à Jackie 205 GTI pour le don de 1€. Merci, très bon pseudo. Ah, je peux chercher même des landes, waouh. C'est génial. Oh, c'est génial, regarde ce qu'on peut faire. Je sais pas du tout, en vrai. Est-ce que meilleur play, c'est peut-être pas ça, tout simplement, bizarrement. Oh! Mais il est long. T'as bien pioché, coquin. C'est marrant. Non, mais c'est marrant. Des fois, tu hésites et le jeu est très conciliant. Et le jeu est sympa. Bah écoute, tant mieux. La fausse bonne idée. T'as raison, on va chercher une bonne carte. Bah ouais, hein, puisque t'as le droit, moi aussi. Schweiger, non? D'après laquelle, du coup? La meilleure. Je the pense best que je vais la voir, best. Genre, de suite. Ça arrive, bouge pas. Attends, j'engage mes malins. Une bien belle carte. Parfait. Nickel. Ah, on n'était pas payé. T'as pas été payé? Il faut réclamer hein, quand t'es pas payé. On fait le ménage. Yes. Oko, ça va? Ça va, Oko? Ça dépend. Pas le plus chiant, ça, tu vois. Je suis là plus relou. Hein. Bon après. Ah ouais, je pouvais utiliser le talisman pour aller prendre un land, effectivement. Ah mais tu utilises un mana donc ça t'avance dans ton plan de jeu, mais ça te rendait pas plus mana efficient dans le tour. Si, ça m'avance d'un mana. Oui, ça t'avance d'un mana dans ton plan de jeu, mais sur le tour même, ça te donne pas plus de mana. Non. Et là, ça changeait un peu tout, d'ailleurs. Ce mana. Ouais, ça te donnait un mana de plus à ce tour-ci-là, ouais, effectivement. C'est tendu, hein. Franchement, le match-up est pas évident. Ah.
Complicado. Je réfléchis, hein, pardonnez. Vas-y, vas-y. On a Scylla Vérifiette qui punit nous baisse Tamidarax. Tu as raison, retourne dans ta chambre. Je vois là, sa souris passe sur toutes mes cartes. Tu peux toutes les gérer en un seul coup? Je crois que ça, c'est pas trop dégueu. Ah, je réfléchis. Ah, je sais plus là. Si je sacrifie méchant loup, En fait, ouais. tu me mets trois dans tous les cas, normalement. Ouais, mais il faut que je tourne autour de tes autres cartes. Avec méchant loup, je tourne autour de Vras, mais il sera alimenté qu'une seule fois, alors qu'avec Coco, je peux tourner autour de Vras, mais tous les 2 tours, en fait. Ça dépend à quel point tu vas me laisser du temps. Je pourrais trouver un autre générateur de fou en enlevant méchant loup. En enlevant Oko, Il pardon. peut pas sacrifier un token avec la capacité de Ouais, Doomfortold non, je peux pas et, enlever. et les jetons nourriture sont des jetons, donc des tokens. Franchement, il est très très difficile hein, ce choix. Je sais pas quel est le meilleur. J'imagine que Oko en late game, au long terme, c'est mieux. Mais c'est pas obvious quoi. Je vais enlever méchant loup ici, mais c'est pas obvious du tout. Je suis pas payé. J'ai fait le mauvais choix parce que j'avais l'étal en repiochant ce Oko. Après, Eh mauvais ouais. choix, ça dépendait. Bah, non, enfin, j'ai pas fait un mauvais choix, mais ça s'est révélé après, au vu du résultat, le mauvais. Je crois que je suis obligé de faire ça, mais ça me fait pas rêver. Ah, je sens la Dance of the Mains ici. Hein. Donc ça fait renvoyer X cartes. Ouais, d'accord. Alors là, tu les fais pas en. Une paire épave. Non. Bravo. Ouais, Yes. j'étais coincé et en fait le mana que je vais pas chercher sur le talisman, c'est le misplay Ouais, qui me ça coûte la fait game. vraiment. Tu faisais quoi avec tes 7 mana du coup? Je faisais Murderous Rider ton précédent sur ton Oko. Donc du coup tu étais obligé de sacrifier le loup. Et Ouais, c'est vrai. après tu retopes des quins Oko, donc Ouais, ça mais me met la pas game bien n'était mais. pas pliée. En fait, en retop des camps Oko, je te mettais pas les points, donc. Si parce que t'avais un food. Donc tu mettais quand même 3 points avec ton Oko. En fait c'est la même situation. Je crois. Maintenant que j'y Non, repense. parce que là, je peux faire anime Oko, et là, le tour d'après, en fait, je te remenace de remettre 3 points si tu gères mon loup. Ah ouais, non, mais en fait, vu que j'ai Veil of Summer, ça bloque, ça change rien, en Ouais fait. mais Je voilà, gagne pas les c'est. PV. Là le problème dans ce genre de matchup c'est que t'as des cartes clés à toucher de side. Et si tu les touches, genre tu touches un contre ou un Veil of Summer, Ouais, c'est difficile. c'est voilà. Et moi comme j'ai pas, après bon, je dis que j'ai fait un misplay, c'est le cas, mais j'avais aussi juste le choix de piocher un land sur 3 tours. Et sur Ouais, trois tours, après j'en pioche pas. c'est pas facile hein, de jouer avec ce talisman là. J'étais là en mode oula,
Ça peut partir loin, le brain du talisman, de est-ce que toi, du coup, tu prends un truc pour ton plan de jeu et moi, du coup, je prends un truc en réaction, mais si en fait, toi, tu prends un truc en réaction et que c'est toi le deck réactif, du coup, j'ai pris un truc en réaction alors que ça doit être moi l'agresseur. Attention, les brains sur ce talisman, ils peuvent aller très loin et au final, toi, tu as pris un truc en réaction, moi, j'ai pris un truc proactif, tu as pu contrer mon... du coup, c'est toi qui as fait le bon choix, mais... J'avais déjà mon contre. Donc, j'ai pas... Je suis allé chercher autre chose, je suis allé chercher l'œuf que j'ai posé. Parce que ça me permettait de poser l'œuf, d'avoir un Dance of the Mains plus qualitatif. Et tu pouvais pas prendre une Kaya's Wrath ? Si, je pouvais, mais en fait, là, je savais que j'avais des déplorations planaires. Je l'avais déjà en main. Ah donc, oui, d'accord. Donc, quand je te le donne, en fait, c'est parce que je me doute que tu vas aller chercher un Planeswalker, comme tu as déjà joué Krasis. Ouais, ouais, et tu m'as attendu, c'était le bon play. Tu m'as attendu avec Dovin Veto, je suis rentré plein fer dedans, quoi. Mais je me suis dit, si toi, tu prends une partie de ta combo. En fait, c'était ça, c'était où je prends un play proactif s'il a pris un play proactif, où je prends un play réactif s'il a pris un play réactif pour que l'un n'entre pas dans l'autre. Ouais. Et je me suis dit que tu étais parti chercher une pièce de ta combo, du coup j'ai pris un play proactif. Ouais, c'est un peu ça. Mais il est rigolo ce talisman. Hein. Intéressant à jouer comme deck, je joue 25 landes, donc effectivement avec toutes mes draws, j'aurais pu piocher un peu plus de landes, ce qui aurait transformé du coup mes créatures en 4-4. Et là du coup, même si tu faisais rituel... Bah, je m'en foutais parce que j'avais des 4-4. Mais ouais. Effectivement. C'est dur, hein. 25 landes en tout. Donc je pense pas qu'il faut y monter plus. Parce que vous avez beaucoup de façons de piocher. Réadapter le side et essayer de pas être trop sensible à Botte dédaigneuse et Veil of Summer. Parce que si ces cartes-là enterrent le deck, c'est dur. Après là, ça m'enterre parce que tu me fais pas gagner les 3 points de vie qui font que je suis mort. Mais je pense que Botte, c'est assez dur de tourner autour parce que j'ai vraiment envie de développer mon plan de jeu, donc si je tourne autour en fait je fais rien et je perds. Ouais, après tu joues 4 Teferi, hein. Tu passes Teferi tour 3 et on peut plus derrière. Le problème c'est que tu prends la pression des Okodek, donc je les ai décidés contre toi les Teferi, peut-être qu'il faut les laisser. Bah le problème en fait ils vont être bien pour rendre mes bots ineffectives, mais à quel point mon board va toujours gérer ton Teferi en fait. Bah et en plus au-delà de son passif, son boon c'est pas incroyable, tu vois, donc c'est donc, difficile, hein. Je sais pas trop, mais en tout cas à creuser, je pense que les decks contrôle au moins vont pouvoir être remis au bout du jour. Mais peut-être qu'un Grixis Fire, enfin en tout cas une version Fire, est le bon play, du coup. À voir. On testera ça. J'ai pas du tout de recul sur ça, quoi. Yes, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Yes, merci énormément. Le stream est terminé. Voilà, merci beaucoup encore une fois à Wizard de nous avoir invités pour ce stream. Merci aux modérateurs qui étaient là, qui ont fait un petit taf, surtout pour valider tous les mots français qui étaient pas forcément autorisés. Donc merci beaucoup. On se retrouve, vous retrouvez Val sur notre chaîne, du coup. Val PL Magic Arena FR sur Twitch demain à partir de 19h. Et moi, ce sera jeudi à partir de 18h. Vous retrouvez également sur la chaîne Magic officielle. Mercredi soir, Magic c'est chic, pour leur horaire habituel à partir de 20h30, il me semble, ou de 20h, je ne sais pas. Non, ça doit être 20h30, donc ça va être très très cool. N'hésitez pas à checker ça. Et puis nous, voilà, on va continuer d'investiguer cette méta. On va exactement, Siegfried. On va faire des trucs bien, on vous tient au courant, peut-être sur Twitter ou pendant les lives de nos avancées. Et puis voilà, on vous fait plein de gros bisous. On sera du coup sur notre chaîne à partir de demain. Là, c'était exceptionnel aujourd'hui. On ne s'empare pas de la chaîne Wizard. Non. La chaîne Magic. Ils nous l'ont prêté un soir et c'est très gentil à eux. On répète qu'on a passé un cast incroyable avec vous pendant 3 jours. On est quand même très très fatigué. On va profiter là de ces semaines de vacances pour se reposer un petit peu. Mais il n'y a aucun live qui passe à la trappe. Ne vous inquiétez pas. Yes. On vous fait des gros bisous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Ciao, ciao. Ciao.